Bonsoir à Bonsoir. tous, comment allez-vous? Magnifique intro. Très bien, toujours. Oui. J'attendais une question. J'attendais clairement une question. Attendre. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très très bien. Merci encore d'être là ce soir. Merci tout le monde. On est sur encore TF1, visiblement. On va tout de suite regarder, mais c'est ça, c'est bonsoir. Mais on a commencé comme ça, moi je suis parti en mode télé. On a la météo de on Christine. A la tout à fait, Christine, Christine Météo. Oui, j'avais dit Christine Boutin qui soudainement c'est fait de la météo. Comment ça va tout le monde? Comment ça va dans le chat? Ça va déjà très Valentin bien. La moustache qui est ton nouveau surnom visiblement. C'est une question qu'on pose. Oui, il n'y a plus de moustache. Écoute, désolé, Capucine. Si comment ça va le chat? On a, attention, un nouveau venu dans la skip. Enfin, il était déjà passé, mais on a Tom à la réalisation qui est avec nous. Oui, j'applaudis. Ah, bah, on applaudit comme sur on est en mode télé là. Comme sur Direct 8. Bravo, bravo. Comment ça va Tom? Alors attends. Ça va nickel les gars. Merci beaucoup mec d'être avec nous là, ça fait plaisir. Et sachant qu'on a des nouvelles emotes. Donc si vous fouillez, Valentin les a pas toutes vues, on a des nouvelles emotes. On a notamment une emote régie en hommage à Stéphane que je salue. Moi j'ai pris sa tasse qui n'est pas avec nous pour cette émission. Il y a des petites emotes régie au cas où tu vois, au cas où galère. Ah, voilà, tu vois l'emote régie de Stéphane avec sa moustache. Voilà, Stéphane, je crois qu'il est pas au courant, mais il va le découvrir s'il regarde le replay. J'ai vu passer un petit abonnement de Junko Live, merci beaucoup. Merci. Un autre aussi. Ouais, on a Euphoria Noémie, merci beaucoup pour le Prime qui s'est abonné tout à l'heure juste avant. Et tes copains qui étaient encore. Tes copains pour fêter mes 6 mois d'abo. Je vais faire un petit cadeau plus tard dans la soirée. Oh là là, merci tes copains. Le mec annonce qu'il va régaler. Merci beaucoup tes copains. Le Prime, 6 mois. 6 mois, ça commence à faire. Hein. Là, il y a de la fidélité, ça fait plaisir. Complètement. On va aller très vite sur cette intro. On a deux petits trucs à vous dire. Déjà, cette semaine, on a fait des lives un peu chacun de notre côté avec Julien. On va en refaire d'autres pas mal. Alors, peut-être pas la semaine prochaine, mais en tout cas, on risque d'en refaire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça y est, j'ai un crayon dans les mains. C'est encore plus présentateur. C'est encore pire. Mets-le là. N'hésitez pas à passer tout de suite sur la rubrique bricolage. N'hésitez pas à suivre toutes les chaînes de Julien, de Stéphane, la Carlance. Moi, c'est Valentin Vincent avec Doté. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Regarde, on a des emotes Narvalo. Je sais pas si t'avais vu. Non, je l'ai pas vu. J'ai vu des Claude, mais j'ai pas vu. Ouais, on a des Claude, on a du Narvalo parce qu'on le dit beaucoup. Ça a beaucoup fait rire Tom tout à l'heure parce qu'il a remarqué qu'on le disait tout le temps. on a des emotes. On a le Claude, donc le fameux Claude, hommage à Pierre Lapin. On a le visage de Claude. Et on a aussi Opela. T'as vu ou pas, qui est un truc qu'on dit très souvent, vous allez remarquer. Oh, Mini Le Perse, merci beaucoup. Et merci, Carus Prime également, pour ton deuxième mois. Dem, déjà 6 mois, c'est fou. Il est devenu Thibaut Inchep, Mini Le Perse. Attention au ban life. Ouais, on a eu un ban life ce matin pendant mon stream, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. C'est vrai? Ouais, je sais pas trop compris ce qui s'est passé, mais attention, ça sévit du côté des modos. Aïe. Et Carus, ouais, merci beaucoup. Merci Val pour ton cinquième mois. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ça sera bon, merci beaucoup. Julien. Alors, on va recevoir Natou, déjà, qui est dans le canapé, comme d'habitude. Et tout le monde le sait, elle est déjà là, mais on fait genre et on fait genre. À quel moment je viens? Quand on aura le générique, il faudra se faufiler. Les gars, est-ce que le son est bon déjà? Au niveau du chat. Ah oui, dans le chat, écoutez, ouais. Dites-nous. Je pense que en général, si ça se plaint pas, c'est que tout va bien. Il y a des trucs sur le volume de ma voix, c'est physique apparemment. C'est moi qui suis moins fort, hein. C'est pas le micro. Ah, Vélourine, merci beaucoup Vélourine. 3e mois d'abonnement. Oh là là, les fidèles, ça y est, ça me plaît. Moi, je voulais juste passer un dernier petit big up avant qu'on fasse le petit sommaire dans l'émission. Tout à fait. Un big up, non mais. Un big up avec sur Skyrock. une petite caselie pour tout le collège Saint-Exupéry. Tout Jules Verne. Il y en a que deux en fait. Il y a Jules Verne et Saint-Exupéry. Il y a que deux lycées. Et Charles de Gaulle. Non, le big up c'était pour Nicolas Bedos et son film La Belle Époque parce que franchement, ouais, en plus, je fais genre, c'est mon poteau. Big up à Nicolas. Non, mais parce que je suis allé voir La Belle Époque hier soir et j'ai trouvé ça trop bien. Je vous invite à aller le voir, franchement. Je suis pas sûr que ça plaira à 100% à tout le monde, mais il y a une proposition, comme on aime dire chez nous. Non, franchement, le film est très très cool et je trouve que les gens critiquent beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait un petit tweet et tout. Ils sont souvent les premiers à critiquer le cinéma français, tout ça et tout, un manque d'originalité. Là, franchement, quand on va voir ce genre de film, on peut ne pas aimer éventuellement, mais on peut pas dire que c'est feignant ou quoi. Franchement, c'est un beau film, quoi. Moi, j'ai trouvé ça très cool. Ah, il y aura du César, tout ça, on le sent. Voilà. Donc, bref, franchement, allez voir. Moi, j'adore le cinéma. Général, moi, j'adore ça, moi. Je bouffe l'étoile, moi. Les bobines directement, je les crotte comme ça. Merci beaucoup, Edwige et Nico Bobo 22. Merci pour vos abonnements. Ah, Nico Bobo. Ça n'arrête pas et ça pleut. Et Quentin Vitalis aussi. Ça y est, fidèle aussi maintenant, Quentin Vitalis. Ça fait souvent, je te vois souvent. Qu'est-ce qu'on va faire avant, juste avant de recevoir Natou, on va vous expliquer vite fait ce qu'on va faire. Je ne sais plus. Voilà, si, bien sûr. Juste, c'est une petite. On est passé à 70 goals. Attention, on est presque à un dixième du premier sub goal. La skip en public, ça serait incroyable. Voilà, je vous rappelle, il y a les petits goals de ce côté-là. Là, ici, là-bas, là. Là. donc voilà, à 1000 subs, un skip en public, ça peut être très sympa. Pardon, je t'ai coupé.
Ben ça y est, je ne sais plus quoi dire. Mais parce que je t'ai coupé. De toute l'émission, je ne pourrais plus rien dire. non, on va passer. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire. Est-ce que tu peux, par hasard, Tom, dans les premiers défis, nous afficher le petit menu du jour? Yep. Bon, de toute façon, moi c'est écrit. De toute façon, c'est dire. Entrée plat dessert. Moi, c'est écrit la on, C. Là, on a. On est ringards. Qu'est-ce qu'on est ringards. Il y a une petite attention. Là, voilà, le blind tube, nouvelle tentative, petit blind test un peu original. Je pense dans le titre vous aurez compris de ce qu'on va faire. Ensuite, le retour de l'improzique qu'on avait testé avec Simon Astier pour ceux qui étaient là. Donc l'improvisation sur musique où on n'est pas encore serein sur ce concept. C'est toujours le concept où on se. On l'a expliqué à Nat tout à l'heure. Aussi. On était comme ça. On faisait ouais bon on verra. Elle est partie dans un premier temps et après on a réussi à la reconvaincre de revenir. Et... Donc c'est la catégorie où on va faire ok on enchaîne et on passera sur le fac de police. Là, je vous laisse deviner. Il y aura comme un jeu de mots dans le titre. Il y aura comme un petit jeu de mots dans le titre. Ensuite, le classico maintenant, faites-nous marrer, où là dans le chat vous allez pouvoir jouer et donc vous allez pouvoir écrire tout ce que vous voulez et nous en plateau on essaiera de pas rire. Voilà, c'est un petit classique maintenant des best-of d'Askip. Et en dernier, le jeu, parce que ce coup-ci c'est pas vraiment une game castée, c'est un truc un petit peu différent. Voilà, c'est un jeu. On finira par du gaming tout évidemment, comme d'habitude. Et je vois qu'il y a encore plein de bits là, merci beaucoup, Inspector, 35 bits, merci beaucoup. Gaspard Savoureux, j'aime Gaspard bien ton blaze, merci pour l'abonnement d'un mois, merci beaucoup. Écoute, en plus Natou doit partir à 22, donc j'ai pas envie qu'on ait trop tout peu de temps fait. Avec elle. Est-ce qu'on lance pas le générique? On y va. Et je dis ça et évidemment, il est pas prêt. Je l'ai pas dit. Je l'ai vu. T'étais dedans. Ah bah. Je l'ai là. Ah oui, regarde, regarde. Comme ça. Regarde, c'est magnifique. Ok, et eh ben à tout de suite. Bah oui. C'est là. J'espère qu'on a eu cette phrase. C'est où qu'il faut regarder. Bonsoir. Attends, regardez là. Tu regardes oui, où ouais, je vous dis bonsoir avec ce magnifique mug Johnny Hallyday. Mourir d'amour enchaîné. Et pas Junio, voilà, on en a deux. C'est au choix. Comment ça va? Mais ça va bien. Merci Natou. Alors je tiens à vous dire que c'est mon premier Twitch. Mais oui, c'est fou. Ouais. Hey, c'est souvent qu'on inaugure les live Twitch. C'est vrai, on inaugure souvent les live Twitch des gens, ça fait plaisir. On a inauguré aussi celui de Yacine Bellous, qui était à la fois le pionnier et en même temps le mec qui testait pour la première fois. Parce que c'est lui qui avait co-écrit le live, tu sais, qui a fait Squeezie, qui est maintenant le record Europe ou je sais plus. Ah ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Tu sais, quand ils ont fait la pièce de théâtre avec McFly et Carlito, ils ont explosé les records. Donc Yacine était à la fois le plus gros vétéran et en même temps un néophyte. Donc bienvenue du coup Natou, donc t'as le chat ici, okay. Voilà, on est à la cool. Tous les messages. Mais oui, il y a plein de gens, et d'ailleurs, alors là, il faut quand même qu'on passe un petit big up rapide à tes copains qui, ça y est, a balancé le cadeau, 50 abonnements. C'est énorme. C'est alors ça, faut m'expliquer ça. Alors les gens s'abonnent, j'ai, en gros... J'ai 10 000 ans en fait, il faut m'expliquer les bases de cette plateforme. C'est parti. C'est très simple, les abonnements c'est pas comme sur YouTube, ce qu'on appelle les abonnements sur YouTube ici c'est les follow, donc les gens en suivent et juste sont au courant quand les vidéos sortent. Je suis si vieille. Non t'inquiète pas, nous on a découvert ça il y a quelques mois. Moi j'ai compris ça aujourd'hui. Hein, yeah, ouais, hier, non t'inquiète pas, il y a aucun souci. Et les abonnements sur Twitch c'est vraiment les gens qui soutiennent, et donc c'est un peu comme un Tipeee en gros, il faut le voir. Okay. C'est un soutien financier, ils ont accès à des petites emotes supplémentaires, à des petits trucs en plus. Voilà. Génial. Et là, il y a quelqu'un qui vient d'en offrir 50. Tes copains a régalé tout le monde. Donc, en gros, il a offert 50 abonnements à 50 personnes au hasard, du coup, dans le chat. Donc, c'est un truc hyper généreux. C'est incroyable. Ouf. Merci beaucoup, tes copains. Super. Du coup, j'ai pas le nom, malheureusement, de tous les nouveaux venus. Mais parce que 50, dans tous les cas, ça aurait fait long à lire. Merci beaucoup, tes copains. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Voilà. À part dire merci, je sais pas quoi dire. Mais ça fait très plaisir. Franchement, je pense que là, t'as le record. Hein. On a plein d'emotes. Voilà, tu vois, il y a Valentin qui crache son verre. Non. Je ne sais pas faire cela. Ah si, t'es obligé de faire par contre tout ce qu'on fait. Oui, c'est le concept de Twitch. Hein. Ok, c'est parti. Je l'ai mis sous la table. Attention, oula, on l'a pas vu, mais... T'allais t'assommer. Oh, mais... Et ce soir, c'est la soirée de tous les excès. Pourquoi pas mourir en live, finalement? Franchement, si ça nous permettait d'avoir 2-3 RT, nous, on est prêts. Là, les abonnements de tes copains, je peux te dire, ils vont y Pour le tombeau. Bon. Les gens vont participer. Parfait, oh là là. Bon, Natou, merci beaucoup d'être là. Si jamais il y a 2-3 personnes qui ne te connaissent pas dans le chat, oui. ce qui peut arriver, comment on peut te présenter? Parce que maintenant, je ne sais plus moi, tu es créatrice de bijoux, tu es youtubeuse à l'origine, vidéaste. Mais est-ce qu'on aime vraiment ce terme? Toi, tu préfères te présenter comment? Alors, je suis une fille qui a beaucoup de chance, qui vit de sa passion, qui a commencé à faire des vidéos pour rigoler, c'était un loisir et aujourd'hui, c'est devenu mon métier. Donc, je vis de l'amusement, je fais des vidéos humoristiques,
un petit peu de télé, j'ai sorti un livre, j'ai une marque de bijoux également qui s'appelle Joyaux Magiques. Enfin, je fais plein de trucs qui m'amusent en fait. C'est quoi, c'est joyeuxmagiques.com? .fr. .fr, ok. J'ai réalisé au moment où je le disais, est-ce qu'elle a encore un site en fait? C'est genre le site, mais si pour commander, t'es obligé. Ouais, oui, c'est qu'en ligne. Ouais, ok. Bah trop bien, bah écoute, je pense que les gens sont déjà partis acheter des trucs. Bah ouais, franchement ça se passe bien. Attends, en plus, rien pour illustrer tout ça, nous on a chopé un petit extrait, parce que tu vois, on fait comme à la télé tout ça. De ton dernier clip, voilà, qui s'appelle Swipe, que t'as sorti en plus il y a quelques jours, c'est ça? C'était mercredi, ouais. Mercredi, donc on est en plein dans l'actu. Dans l'actu. Donc voilà, on te balance ça. Si tu peux bien le balancer, Tom, on met un petit extrait. J'étais seule chez moi, envie de m'amuser. Ah, ça téléchargé l'appli qui fait rêver. Et j'ai senti alors la naissance d'un possible amour. Rendez-vous au bar, j'ai mis deux sœurs à me préparer pour ce premier rencard. Je m'étais même lavé. Malheureusement, il m'a posé un lapin. J'ai encore fini en chien devant TF1. Swipe à gauche, swipe à droite et ça marche. Moi j'ai envie d'y croire car quelquefois ça marche. Swipe à gauche. Voilà, mais on va rester sur tu devais jouer mon cousin. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il y a trois dates, ça parle d'applications de rencontres. On sait pas si c'est inspiré de faits réels ou non. En tout cas, c'est trois dates. Le premier, bah, du coup, c'est un mec qui me fout un lapin. Le deuxième, c'est un mec marié. Et le troisième, c'était mon cousin qui a mitonné sur son profil. Et tu devais faire mon cousin. Je joue Paul Scarpolio. C'est ça, qui est génial. Que tu as après appelé moi, donc Paul. Bah voilà, Paul, désolé. Écoute, tu n'étais que second. Polo. Non, non, je l'ai goûté, j'aurais bien aimé dedans. Mais Paul est super en plus. Mais oui. Paul, on l'adore. Et je pense qu'il était vraiment très heureux d'être là. Ah oui, oui, non, et meilleur comédien que moi, donc ça tombe bien, t'as bien fait. Il a pas arrêté de crier que c'était qu'il vivait sa meilleure vie. Et bah, il me l'a raconté. J'ai un making of où il le dit, c'est trop bien. Est-ce qu'on a dit un truc important pendant le clip? Parce que je crois que les gens n'ont pas entendu ce qu'on disait pendant le clip. Il y a des gens qui, tu vois, c'est bien, qui coulent des oreilles. Mais c'est parce que là c'était ouais, c'est nous, on a fait n'importe quoi. C'est de notre faute. Et de toute façon, c'est de la faute de Claude. C'est ça l'avantage, c'est quand il y a un problème. Je sais pas si t'es au courant de ce running gag, Tom. C'est pas nous, c'est Claude. Il y a la tête de Pierre Lapin avec un petit filtre marrant. Et c'est le running gag de l'émission, c'est quand il y a un problème, c'est ma faute, c'est Claude. Non, c'est Claude. Ouais, je me forme. C'est Claude. Regarde, tu vois, c'est Claude. C'est la tête de Pierre Lapin. Bon, là, mais en tout cas, au début, c'était tes premières vidéos qui sont. Enfin, pas, je sais pas si elles sont toutes disponibles, mais. Alors, justement, donc ce que je disais, et peut-être que le son était trop faible, c'est qu'il faudrait que je pense à les mettre en privé. Oui. Merci de me le rappeler, parce qu'il y a vraiment sur des vieilles. Sur Dailymotion aussi, vérifie un petit peu. Il y a une vieille chaîne. C'est vrai que j'avais oublié. Bah, ça, on le dit pas en ligne, normalement. Non, mais il y a trois vidéos qui sont. Ça va. Vous n'avez rien entendu. Elles sont. De toute façon, c'est ce qu'on a. En gros, c'est ce qu'on a mis au début. Non, mais après, faut pas avoir honte des anciennes vidéos. C'est... Oui. Mais il y en a quelques-unes qui sont plus. Non, parce que moi, quand on allait sur la chaîne YouTube et tout. Je dis ça, mais j'en ai déjà mis. Je suis allé voir et j'ai fait non, ça, c'est pas les premières. On va aller chercher les premières et on s'est dit ah oui, il y a eu un tri. Mais je comprends, on fait tous la même chose. Je profite pour remercier une nouvelle fois tes copains qui regardent Hyper Gentleman, se sert en second et donc il s'est abonné après avoir offert 50 abonnements, ce qui est quand même hyper classe. Donc voilà, 6 mois maintenant, abonnement de niveau 3 en plus. Le mec est genre top. Il est Super Saiyan Junior. Super Saiyan Gérard Junior. Bon, c'est n'importe quoi. Cette émission, c'est n'importe quoi. On sait même plus ce qu'on dit. Est-ce qu'on attaque pas par un petit jeu? Mais vas-y. On va faire un petit jeu. D'habitude, on fait jouer à Flappy Bird, Flappy Bird Battle Royale, qui est un. Mais ils l'ont fait même en filtre sur Instagram. J'ai joué avec ma mère. En clignant des yeux. Exactement. Ouais. Je voulais l'emote C'est Claude. Et oui, quand tu es tier 3, pardon, t'as l'emote C'est Claude. Tu peux avoir écrit C'est Claude. Et du coup, là, on va pas y jouer parce qu'on s'est rendu compte que. On a un doute parce qu'en fait, ce qu'on aime faire, c'est faire jouer à tous les invités le même jeu pour faire un tableau des scores. C'est ça. Que tout le monde faisait un. Ou un ou deux. Ouais, ça allait pas très bien. Et on s'est dit, bon, on va essayer de réfléchir à autre chose. Donc on teste un nouveau jeu. Un petit jeu avec un chien. Eh oui, voilà, pardon. Voilà. Non mais si. Le mot chien provoque un à chaque fois. Avec un jetpack. Des chiens. Chien. Ah. Petit pardon, chien. Pardon, c'est un peu. C'est insupportable. Le mot dogo en général marche bien aussi. Ah non, dogo ça marche pas. Dogo rien. C'est unique pour le mot chien. Réaction. Sans doute tu regardais, mais je sens que t'as regardé que je mettais les graphismes en fantastique et ça t'a impressionné. Oui, je pense non, que mais c'est ça. Il y a tellement d'infos qui se passent.
Jetpack Dog, mais comment les gens ont vu? Les gens grillés? Incroyable. Jetpack Dog. Ah, par contre, on a croppé pourquoi le. Pourquoi les gens ont grillé, Julien? On peut peut-être rappeler que ce matin, t'as préparé un peu. Ah, mais oui, c'est vrai. Mais oui, bien sûr. Et ben oui, en plus, alors, c'est bien, c'est qu'on n'a pas noté les noms des gens qui nous ont donné. Super. Et ben, à la fin de l'émission, on recheckera les noms. Et merci beaucoup. Et ce matin, j'ai fait un petit live. Du coup, on a préparé l'émission avec les viewers. C'était super sympa. Trop cool. Pendant que je jouais un petit peu Overwatch, on discutait. Et du coup, on nous a conseillé quelques jeux. C'est un jeu conseillé par la commu, comme on dit. Et il est assez rigolo. J'ai pas encore testé. Je vais vite. Non, le son. Ouais, non. Le son, on va carrément le couper parce qu'il est ignoble. Mais on peut mettre du Johnny par-dessus, peut-être. Alors, peut-être que tu pourrais nous régaler. Est-ce que. T'as le droit à plusieurs essais. Écoute, ah, donc juste je clique, c'est ouais, ça. Ouais, tu cliques, tant que tu restes appuyé, il monte. Tant que je reste appuyé, c'est ouais, bon. Tant que tu restes appuyé, il monte. On nous entend plus. Je clique alors que je te mets dans la pression directe. Oui, c'est pour ça. Moi, je pense que tu peux nous faire un petit 60, je le sens. J'ai mis un baril perro, alors j'ai pu me balader en fait. Tu es excellent. Mais un très bon conseil, n'empêche, du chat. Très cool celui-là. Qu'est-ce que vous pensez du coup de ce jeu par rapport à. C'est ça, est-ce que vous préférez ça ou Flappy Bird? Mais j'ai l'impression quand même qu'effectivement. Non, mais Flappy Bird, c'est trop dur. Bah ouais, là, il y a quand même plus de plaisir. Ça provoque trop de stress, ça t'enlève des points de vie. Il y a toute maîtrise quand même, ces idées. Bah, j'adore cliquer, ce que tu veux, c'est ma passion. 71, mine de rien. Bon, là, par contre, il n'y a plus de sable laser quoi. Là, c'est vraiment le jeu est sympa avec toi. 85. Franchement, attends, j'ai fait combien? 120 moi? Ouais. Ah, je t'ai déjà dépassé? Non, mais je t'en rapproche. Tu m'as dépassé, moi j'ai fait 80 tout à l'heure. Le concept de faire un chien avec un jetpack. Ah, attention, c'est bien joué. Comment on l'appelle ce chien? Bobby, Pas mal, 97. Franchement, non, 97. Est-ce qu'on s'arrête là-dessus? Franchement, ça me paraît bien, 97. Je suis un peu déçu. Faudrait faire un truc pour la VOD, les gars. De quoi? Pour le son, parce qu'on a encore un petit souci de son. Ouais, c'est le. Ouais, bah oui, si c'est très très fort. Désolé pour vos oreilles, les amis. C'est en plus, c'est ce jeu-là qui est. Quand on a démarré tout à l'heure. En plus, je crois que ça marche même pas le réglage de niveau. T'as bien vu, t'as mis couper le son. Et voilà. Non. Ouais, c'est ça. Donc, mis à part ça, c'est un bon jeu. Et toi, tu le fais pas? Allez. T'as fait combien, 81 toi à l'entraînement? Parce qu'on s'entraîne. Non mais évidemment. Faut pas dire. Vous qu'on avez joué pendant 4 heures toute l'après-midi. On a fait que ça. On a fait vraiment fait que ça. Mais on a juste. Alors. Mais n'hésitez pas à parler. Oui bah. Mais c'est vrai que c'est très répétitif en fait donc. Attends, pour Flappy. Bah ouais, du coup, est-ce qu'on va changer dans Discord? C'est la question, les amis. Est-ce que vous préférez ce jeu? Mais j'ai l'impression que plus fun. Bon bah voilà. Après, le seul problème. Je ne suis pas la dernière. Non. Bah tu vas t'arrêter là-dessus, t'as 24, c'est pas 81. Mal. 81. Je retire mon score de tout à l'heure. Moi. Non, le seul souci, c'est que pour la communauté, il est pas gratuit. Bon, il coûte 75 centimes. Hein. Il est pas cher sur Steam. Oui, c'est un peu abusé quand même. Mais c'est à dire qu'on réserve ce jeu à l'élite, tu vois. Avant, il était gratuit, Flappy Sport. Donc.
Oui, on est encore. Si, on voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Est-ce que vous êtes prêt à investir 75 centimes? Ou vous pouvez le demander à Noël en fait. Ouais, ça vous fera un joli cadeau au pied du sapin. C'est ça, franchement, ça me paraît pas mal. Bon voilà, on voulait tenter voilà, ce nouveau Hall of Fame. Donc franchement, il a quand même un bon score là, déjà de la part oui, de Oui, donc 120 pour toi, Julien. 97. Ok, ça me paraît grave pas mal. Et pour toi? Moi, du coup, on va passer tout de suite à la catégorie suivante. Ouais. J'ai fait 24 là, voilà, 24. J'ai fait exprès. Ça arrive. Mais c'est vrai que t'avais fait combien, 81 ouais. J'ai fait 81. On pourrait le compter, on pourrait compter le 81. Allez. C'est gentil. D'accord, attends, on en a eu des. Parce que j'ai entendu un bruit de sub. Mais des fois c'est en retard, c'est possible que ce soit en retard. Ah non, c'est Arenera, merci beaucoup. Un beats, merci beaucoup Arenera, ça fait plaisir. Arenera qui est là sur tous les derniers streams, je l'ai vu plusieurs fois. Tout à fait. On enchaîne par la petite catégorie que tu nous as prévue, Valentin, qui s'appelle le Blind Tube. Blind Tube. Du coup, on voit, est-ce qu'on voit. C'est un peu comme un blind test, mais avec YouTube finalement. Pas mal, ok. Ah, ok. En gros, ce que j'ai fait un peu rapidement. Pour changer. Comme à chaque fois. C'est-à-dire, quand t'es arrivé et que tu voyais sur l'ordi à faire oui, oui, bonjour, c'était ce que je terminais. C'est que j'ai pris. T'as juste à. Bah, si tu veux, je prends ta place. Ah, c'est là, ici, blind sur première. Ouais, tu l'ouvres. Voilà, c'est okay. Préparé. En gros, j'ai pris le début d'un extrait d'une vidéo YouTube très court, sans l'image. Okay. Il faut que vous deviniez de quelle vidéo c'est tiré et après okay. On a l'extrait avec en vidéo. Ok, d'accord. Tu regardes beaucoup de vidéos toi en ce moment? Très peu. Moi aussi. Hein. Mais j'imagine que c'est pas que. Un peu vieux, ouais voilà. Et puis okay. Et surtout ouais. Vous pouvez jouer chez vous ah. En appelant sur TF1, 1717. Hein. Le numéro qui s'affiche en bas oui. De votre écran. Ok d'accord. Et donc quand, là il y a pas la vidéo, c'est bon. Donc je vais. Non c'est ça. Là il y a la vidéo. Clique pas. Tout ce qui est petit. Tout ce qui est petit, c'est le. Attends, prends la souris, je te laisse voilà. La souris, ça va être plus simple. Mais sinon, je prends ta place. Parce que du coup, ne touche pas à mon mug, merci. Et à ton mug. Voilà. À ton... Valentin est au courant, moi je sais pas ce qu'il a sélectionné non plus, donc je joue avec toi. Ok. Est-ce que tu veux qu'on affiche l'écran? Tout à fait. Chat aussi. Ouais. On peut afficher l'écran. C'est vrai qu'en ce moment, je regarde plus trop de vidéos, quoi. Non, moi non plus, j'ai plus. Ouais. Bah, en vrai, je regarde beaucoup de Twitch maintenant. Ça a un peu remplacé dans et ma bah, consommation. Tu me donnes envie de m'y mettre, tiens. Ouais, franchement, c'est très cool. Alors pour l'instant, encore Twitch, c'est beaucoup de jeux vidéo. Mais c'est en train de changer. Nous, on fait partie des personnes qui okay. Ramènent un petit peu de autre chose, qui élargit un petit peu. Mais il y a pas. Il y a Cyprien aussi, non? Il y a Cyprien notamment, qui a son émission exactement en même temps que nous maintenant. Donc, si vous voulez vous barrer, allez voir Cyprien. Non, parce que par hasard, c'est comment cacher le ouais. L'écran parce que je vois qu'il y a la vidéo, il y a le nom de la vidéo. Ah. Bon bah, c'est, ouais, on mais est c'est comme ça, on est comme ça. C'est la première. Oui, oui, toi tu vois d'accord. Ce que c'est. Après, mais par contre, je peux pas faire lecture. Donc je suis. Ah si, c'est bon. Ok, première vidéo. Vas-y, let's go. Premier. Oui, bah d'accord, bon, j'ai le temps de chat. Bon, c'est un premier post pour tester. Ah oui, donc faut. On regarde nulle part en fait. Non, là, nulle part. C'est juste pour la première là. Ouais, le nom. Normalement, okay. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on doit. Qu'est-ce qu'on fait? On se regarde. Le truc qui est hyper gênant. Tu regardes. Non, mais. En gros, voilà. C'est une vidéo de jeu fou. Alors, non, c'est pas du coup, je sais. Ok, vas-y, balance. Ah, tu sais déjà celle-là? Bah, y'a pas de son. Y'a pas de son. Ah, bah oui, y'a pas de son. Donc, tu vas faire semblant. Là, ouais, je. Non, mais je. Voilà, je vais assumer que. Non, bah mets-le pas trop fort. Parce que mais je pense que tu vas trouver rapidement. Moi je vais vous manger. De toute façon, c'est un test. Je pense qu'il a fait un truc facile pour le début. Oui, oui. Pour retrouver. Ok. Je regarde déjà si le son marche. Bah déjà ça marche plus. Peut tu m'as fait quitter mon cours de bachata. Il y a plus de son. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus petit de chien, son. Évidemment. Ah quand c'est toi qui le dis, tu. Oui, parce que mon cerveau sait que je vais dire le mot chien, donc ouais, j'ai attends. Pas la surprise. Julien, je vais prendre ta place parce qu'il y a un petit problème de son. Vas-y, bien sûr. On voit rien d'où. Sans c'est des chaises musicales. Ah bon, on se décale. Vas-y, c'est pas mal. Et toutes les 10 minutes, on se redécale. Alors, meuble, hein, voilà. Je meuble, les gens dans le chat adorent meubler de toute façon. Donc, moi j'avais prévu un petit blind tube là. Ça y est, du coup, on change de rôle. Et c'est quoi ton actu en ce moment? Alors, écoute, en ce moment j'ai une émission tous les lundis soirs sur Twitch qui s'appelle Askip. N'hésitez pas à venir, voilà, c'est très sympa. On passe un bon moment et on reçoit Natou en ce moment moi-même. C'est assez impressionnant. Il n'y a pas le son. Je vais relancer. Ah non, mais tu sais, c'est dans les paramètres de première. Je viens de tu l'as fait. Et ben à ce moment-là en meuble, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi j'ai pas vu dans le chat la réponse à est-ce qu'on refait le Flappy Sport ou pas, sachant qu'il y a 75 centimes. Ah, ils ont du son. Ouais, mais nous du coup faut qu'on puisse jouer. Surtout que mais ouais, on l'avait. Du coup le chat, si jamais pourquoi vous préférez. Ah oui, ils sont en train de meubler, ils sont trop mignons. Mais oui, mais Tikea, regarde, ils sont armoire. Mais ils sont meilleurs que nous de toute façon. Ils sont meilleurs que nous. Commode. Flappy Sport 100%, ok. Commode. N'hésitez pas à balancer un Flappy Sport ou Jetpack Dog, sachant qu'il y a un coût d'investissement de 75 centimes. Fauteuil. Qui est fauteuil. Flappy Sport. Ah, les gens votent Flappy Sport pas mal, hein. Comment ça se fait? Flappy, Jetpack Dog. Yeti Sport, oui, c'est vrai qu'on avait fait du Yeti Sport. C'est quand t'as coupé. Tu te souviens de Yeti Sport? Les jeux flash où tu tapais dans un pingouin. C'est bon. Ah oui, mais c'est super bien ça. C'est super bien, ouais. On avait refait ce jeu là, c'était assez marrant. Dans la saison 1, c'était ça qui nous faisait le classement. Alors, c'est quand même beaucoup Flappy, hein, il faut que tu le saches. D'accord, très bien. C'est bon?
Oui, c'est d'accord. Bah écoute, à tout moment on revient. Le chien on du peut revenir sur Flappy. Mais tout le monde fera deux quoi. Moi c'est en fait c'est ça que j'aime bien sur l'autre, ouais, mais... c'est qu'on peut avoir un vrai tableau des scores et mais se est-ce dire qu'il se passera ah, je vais essayer pas... de dépasser Julien, je vais essayer de dépasser Natou. Ouais, mais est-ce qu'il là, sera... comme... passera pas un moment culte si quelqu'un fait 80? Alors, enfin, quatre plaisir. Écoute, moi je la c'est la vie du chat qui compte. Ouais, là c'est ça. OK, donc là on donc, voilà. Donc là il y a du son. Et il faut deviner dans quelle vidéo est tiré ce petit extrait, très court extrait. Ok, moi j'ai grillé, le chat m'a... Tu m'as fait quitter. Attends, je mais tu l'as trouvé facilement, c'était un test. Maintenant. Tu m'as fait quitter mon cours de bachata, merengue, cha-cha, oui, pour ça. Je crois que c'est je sais pas danser. Oui. Tu m'as fait quitter mon cours de bachata, merengue, cha-cha, pour ça. C'est très très dur, hein, les enregistrements de parties Just Dance. Ah oui. C'est d'une traite. Il faut la refaire plusieurs fois. Ah oui, c'est que d'une traite. C'est d'une précision. Si le danseur se trompe, ne serait-ce que de, bah, d'un angle de main, tu vois, d'inclinaison, ah ouais, c'est faux. Il faut tout refaire parce que le danseur, le joueur en face, doit reproduire exactement la même chose. Et normalement, la caméra capte quand même bien tes alignements du corps et tout. Donc c'est d'une précision. Ah, c'est ouf. Et ils sont dans une peinture, un truc, dans c'était quoi? Et, bah, et en plus, alors, tu peux bien t'en tirer avec une peinture. Qui unifie, ça fait un espèce de truc qui n'existe pas, c'est soit c'est archi blanc, je crois qu'ils ont déjà fait des trucs violets, enfin de toutes les couleurs, soit tu es vraiment malchanceux et là tu sors avec, tu danses avec un costume de mascotte dans lequel il fait 40 degrés, ah ouais. C'est un enfer, oh là là. Vraiment, c'est très très dur, hein. Danseur quand, pour Just Dance, c'était pour le 2017, c'est non ça c'est ça. Je sais plus, j'ai l'impression je crois que c'était c'est ce il y a qu'on 1000 a vu, ouais, 2017, 3 je crois. Ans, ouais, ouais, ouais. Je crois, hein. Ça doit être ça, ouais. Ça du coup t'as dû recevoir plein de vidéos de gens qui dansaient sur le son et tout, ça doit être super ça. Franchement, en plus, apparemment, ouais, les premiers jours, c'était une chanson qui était méga téléchargée dans le jeu. Je crois que c'était gratuit, hein, tu pouvais la télécharger gratuitement en plus. Et ça avait bien marché, et c'est marrant de voir les gens danser sur ta chanson dans leur salon. Trop bien, ouais, ça c'est cool. En famille. Ça c'est sympa, ouais. C'était trop bien. Un petit peu comme les Rémi Corée que tu nous fais sur Instagram. Alors ça, je suis fan. On a je suis vu. Tellement fan. On ça en a fait un, bah, on était dans le désert la semaine dernière avec des copines pour faire un trek. On a marché 18 km par jour. Et en plein désert, on a fait un Rémi Corée sur Aya. Vraiment, le désert, il n'y a rien autour. Et trois meufs qui dansent le Rémi Corée. Ferme la porte. Et la doublette après, moi j'aime bien la doublette. On se fait la petite deuxième. Bien bon, sûr. Cette fois-ci, je peux jouer. Ok, ok. Donc là, c'est juste à l'audio. Hein. Ouais, c'est, oui, c'est que de l'audio. Okay. La réponse est en vidéo. Ah ok, je, c'est l'Overwatch Rap Battle. Tout à fait. C'est Ivic, qui d'ailleurs est beaucoup trop essoufflé. Mais je pensais que c'était du tennis. Mais moi j'étais sur un Roland Garros là. Là c'est que des vidéos de... C'était du... Non mais on devait pas... C'est du tennis. Ouais, mais c'est ça, il en fait beaucoup trop. Mais alors, petite anecdote. Je suis dégoûtée dans ce clip parce que, à la base, dans mon couplet, je devais dire le mot Doliprane. Mais oui. Mais oui. Non, c'est bien que ça s'est évidemment écrit. Ah oui, c'est vrai. Mais est-ce... Et vous, est-ce que vous saviez, hein, c'est une anecdote exclusive que personne ne bah sait. Oui, c'est vous. Non, en vrai, les gens sont peut-être pas trop au courant. Mais oui, il y avait Doliprane et au dernier moment, ils nous ont demandé d'enlever. Et sur mon passage, ouais, je devais dire, d'ailleurs, peut-être qu'on pourra le mettre, je devais dire le mot Doliprane et comme c'est une marque, on a dû le remplacer par 100 mg. Ça me flingue tout mon petit passage parce que les labiales sont pas du tout synchro. C'est assez nul quoi. C'est pour ça que tes lèvres sont pas synchro sur le clip qu'on dit Delcar. Et du coup, je suis jamais synchro dans la vraie vie et mes lèvres sont jamais plus. Comme avant. Du coup, ça va bugger tout le monde. Je suis restée coincée. Ok. Est-ce qu'on avait trouvé dans le chat? J'ai même pas fait attention. Je sais pas. Bah, c'est trop tard. Les gens ont trop parlé. C'est le dézapping ou quoi? Moi, je suis dégoûté parce que je suis Valentin Maury dans ce truc. Ouais, c'est vrai. Dans le making-of, il a été crédité Valentin Maury. C'est assez drôle. D'où le... Et Valentin Maury, c'est le gars sur ma tasse qui est juste à côté de... On ne sait pas qui c'est. Non. Non. Allez. Tu as trouvé ce trait de ma tête. Mais attends, elle est où ma tasse? Ah, bah non, mais je me suis trompé. Bon, bah, elle est, tu dis vague. Je bois dans ta tasse, je viens. Allez, on passe sur le troisième. On va sur le troisième. Je sais plus ce que c'est, je vous avoue. Je voudrais que. Bernard comprenne enfin que c'est une famille. C'est genre une émission. Oh mon dieu. Ouais, bah, c'était une de mes premières vidéos. C'était une parodie de Confession intime avec Bernard et Maryse. Et Bernard était un personnage qui adorait collectionner les sacs plastiques. Il était collectionneur de sacs plastiques et ça lui bouffait la vie en fait. C'est pas facile. Les, donc, gens, les gens disent vague pour quelle est la c'est raison. C'est ça vague. Ou c'était mon. Okay. Je voudrais que. Que Bernard comprenne. Oh, enfin, Kitty. Kitty et les bébés. Mais oui. Oh, non. Que moi et Pépette, on a besoin de tendresse, et de câlins, et de bisous, la vraie Pépette. Oh là 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 là. Oh là là.
Mais Kitty est aussi bébé. Oh, la mienne. Ça, Bernard, il le comprend pas. Il donne tout pour ses sacs. Tout pour ses sacs. On a juste Natou a dit vague, c'est pour ça. Ah, t'as dit 10 vagues, ah, donc ils ont écrit vague. Ah non, mais attention, ah, on a le chat qui est hot fire. Ils sont taqués. Non, j'aurais fait pareil. Mais ok, vas-y. Ça fait plaisir d'avoir des amoureux des jeux de mots comme et ça. Oui, bah, attention, avec nous, un peu moins seul. Avec nous, ils ont pas le choix. Hein. Regarde les titres des catégories, c'est n'importe quoi. Encore Crash Bandicoot. Ouais, vas-y. Alors oui, mais ça, c'est les sons. Ouais, bien, bravo, bien joué. Un point de plus, je peux dire. Ouais, ok. c'est quand on dit on s'abonne, ça fait un. Mais d'ailleurs, on l'a pas vu, oui, c'est bizarre. Ouais, des fois, il y a un décalage, on regardera tout à l'heure s'il y a eu un. Le quatrième, je crois. Tout était vrai. C'est Cyprien. Ouais, c'est Cyprien, mais. Coupé. Ah, c'est non, juste ça ça, ça, c'est peut-être pour le chat, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont le trouver. Bah là, ouais, Cyprien, une geek de toute évidence. Je vous le remets. Je, attends, sais, je vois très bien la scène en plus. C'est pas genre Walking Dead, un truc comme ça? Non, non, c'est un truc sur les gens qui pensent que tout est vrai. C'est, attends, ça, il y a un petit indice au tout début. Tout était vrai. C'était pas non, mais. Tout est-ce que c'est un comédien, genre il se fait vraiment buter Ah ouais, les séries US, on a dans le. Bah, non, c'est ça, non, 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 c'est pas ça. C'est ce que j'aurais dit aussi. Ah, quand j'étais enfant. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, tu veux dire une vidéo que j'ai coécrit en plus. Je me. Ouais, ouais. Bah apparemment pas cette, bah, ce pas, passage apparemment. Ouais, bah non, ouais, je pense pas. Oui, c'était ça. Je vous mets tout était vrai. Fais tes adieux. Coupé. Ah oui, il croyait que tout était vrai. C'est pas fais tes adieux, mais fais ta prière. Ah, j'ai, ah désolé, j'ai... On l'a refait. Okay. Acteur suivant, virez-moi le cadavre. Et après c'est... Ça, ça, ça va, c'est les vidéos où, comment j'en regardais, ouais. YouTube aussi. Oui. Mais j'ai quand même pas trouvé. Ok, bien, vas-y, côté oui, fait maison là. C'est ouais, c'est vrai. Bah c'est Twitch maintenant ça, tu vois. Mais moi j'avais envie de refaire des trucs à l'arrache. Mais c'est vrai, ah, que, oui, vu que la qualité à côté est tellement ouf. En même temps, c'est balèque, non façon, oui. Est-ce que t'as vu la chaîne YouTube de Jack Black? Tu connais Jack Black? Moi j'adore Jack Black. Tu vois qui c'est le, bah, oui, le, oui, acteur, oui. Et il a une chaîne YouTube depuis peu de temps là, mais elle explose. Il fait des récemment il a fait un court métrage avec son fils. Mais vraiment, mais genre, c'est un film suédois, quoi, tu vois. Genre, il y a vraiment, c'est à l'arrache. Et en fait, c'est trop drôle de voir Jack Black qui est dans des super productions, normalement, d'Hollywood, quoi. Ouais. Là, vraiment, il court, il y a une fausse explosion d'œuvres de merde et tout. Mais il est avec son fils, il fait, allez, on y va et tout. Enfin, genre, c'est trop, trop drôle. Ah, j'ai envie vraiment d'aller voir ça. Et du coup, je trouve que justement, ouais, ça fait réaliser qu'on peut s'en foutre aussi. Les gens, ils savent, ouais, que. On peut faire ça encore sur YouTube, quoi, tu vois. Mm. Donc grave, faisons. Moi, je suis grave pour faire des trucs à l'arrache. Mais c'est pour ça qu'on est sur Twitch. Oui, bah, c'est pour ça qu'on est sur Twitch, là. C'est genre, ça devenait trop carré. J'en ai encore un petit. Ok. Je mets plus fort parce qu'il est. Oula. Oui, alors désolé, on allait sur YouTube, les gens ils jumpscare. Pourquoi on ralentit là? Ah, oh, c'est moi. C'est Glandine! Mais oui! Oh, mais non, mais c'est pas vrai! Ah oui! Pourquoi on ralentit là? Ah! Moins cher. Génial! Je trouve que c'est, ah, mais attends, mais je réalise que je l'ai pas vu en plus et que je voulais grave le voir. Mais oui, mais la bonne adresse? Flaubert qui est passé dans le. Oui, je l'ai vu passer, Flaubert, il était là. Si je pouvais ne pas être filmé, ça m'arrange. Ah, mais en plus, ça avait l'air super ce truc. Et j'ai totalement, je l'avais mis de côté. Et j'ai... Au final, c'est trop bien. Moi, j'adore. Je trouve que c'est très Sacha Baron Cohen, quoi, de prendre sa personnage très haut en couleur et d'aller dans un peu dans le cœur du perso et tout. Je voulais trop le voir. Bah, ça me rappelle qu'il faut que j'aille le voir. Il y a AltF4 qui dit, mais Natou et Glandine sont les mêmes personnes. Non. Non. Bah oui, bravo. C'était. Okay. Ah, c'est vrai, il y en a beaucoup. Non, c'est oui. Il y en a bien bossé. Mais j'aime bien. 7. Ah oui. Est-ce qu'on les fait toutes? Non, non, il y en a pas beaucoup. Ok. Vas-y, bah, on a fait plus de la moitié. Ok. Mélococo dans Overwatch. Mélococo dans Overwatch? Non, c'est Andy. C'est Andy raconte. Bah oui. Tu mélanges tout, Wilmo. Mélococo dans. Ouais, non, non. Oui, c'est tu mélanges personnage. Tout. Tu mélanges tout, Wilmo. Le joueur du grenier? Oui. Ouais, ok, ça se passe, ok. Ouais. Même le seul de YouTube, je pense, qui a jamais changé son générique. Et qui, je pense qu'il ne le changera jamais. Ah, peut-être la dernière, peut-être un jour, il va se dire, c'est ma dernière vidéo. Franchement, s'il change un plan par un plan, ce serait drôle en mode Game of Thrones, en mode évolutif. C'est d'un coup, il change un plan. Ou une note. Il avait un seul goal sur The Event. Oui. C'est vrai, ouais, il devait le remplacer. Ah, il l'a atteint. Oui, il l'a atteint, ouais. Ah, donc il est censé, ouais, changer va, son générique. On verra. Ah. Moi, j'aimerais bien qu'il change une note, genre. Tin, 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 tin. Quoi? C'est comme dans le Friends où il n'y a pas les clap, clap, clap. Le ah, ouais, ce truc m'a rendu. T'as vu ma story sur ce truc? En fait, c'est dans l'épisode, donc j'ai fait une story, je sais pas si vous l'avez vu, sur mon Instagram, où en fait j'ai remarqué, mais c'était fou, je regardais ça avec une pote et on a bugué, et en gros il y a vraiment genre un épisode, c'est le du coup saison 1 épisode 4 je crois, si je me trompe pas, ou 3, en tout cas 2 ou 3, enfin 3 ou 4ème épisode de toute la série, il n'y a pas de clap, et c'est genre, mais ça te fout une angoisse qui est pas possible. Mais il y a une explication ça? Mais non, je sais on l'a pas, pas trouvé du tout, et apparemment il y a quelqu'un qui m'a répondu en tout qui m'a dit que déjà même dans la version cassette c'était déjà le cas, donc en fait c'est, je pense que c'est parce qu'en fait ils ont rajouté des claps sur la musique et que du coup à l'époque de la saison 1 ils se sont trompés sur le banc de montage sur, okay, cet épisode là je pense quoi, mais du coup c'est bizarre parce que même dans la musique du coup qui était sortie après des Rembrandt et tout etc, il y a des claps tout le temps, ouais. Donc là c'est vraiment une version inédite où il y a pas les claps, et en plus dans le montage on voit les acteurs de Friends faire les claps,
c'est très très perturbant quand on est habitué, qu'on est fan de Friends et qu'on fait. Mais ça se trouve, c'était une spéciale 1er avril. Peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est angoissant, c'est perturbant. Oh, c'est des petites infos de geek, hein. On est là pour les infos de geek. C'est du détail. C'est du détail, on est pointilleux en fait. Donc. Merci à Sextoys. Sextoys, ah, bah oui, je viens de. Oui, avec tellement d'assurance. Merci à Vaginette pour l'abonnement. Que se passe-t-il? Merci beaucoup pour ton abonnement. Encore un petit? Ouais, vas-y, vas-y. On se régale. Et sinon, on se fait un petit speed, on se les fait les derniers, sauf si. Un temps avec deux? Ok. J'en ai pas beaucoup. Ok, ah, on a 12. Il y en a 12. J'en ai 1000. Okay. Oh là là, Zilo! Ça, c'est que. On... Voilà, c'est... 10 abonnements offerts, exactement. Make it rain. Oh là là, merci beaucoup. Eh, on lira peut-être tous les noms tout à l'heure, je sais pas si on les aura. On le fera en chanson. On le fera tout à l'heure, là, ça. Merci beaucoup, Vizilo. Et Vizilo qui nous supporte beaucoup aussi, hein. Merci beaucoup pour tout le soutien. Oh ça là fait là, plaisir. Mais qu'est-ce que je brille? Alors, on brille, ouais, ah, là, en général, oui. C'est le studio. Enfin, moi, j'ai vraiment brille, la peau grasse, par contre. Nous aussi, t'inquiète nous, pas. Non, vraiment, mais je suis pas complexée par ça. C'est, en fait, c'est même un secret. Alors, non, non, mais dire, nous aussi, c'était pas. C'est un secret de beauté. Parce que ça permet d'avoir une peau bien hydratée et moins marquée par le temps. Bah, nous aussi. Je suis ravi, du coup. Ouais, moi aussi. Bah, non, alors, mais c'est génial. J'ai presque envie d'avoir parce encore plus grasse. Parce que c'est vrai que j'ai quand même une belle peau, quand même, à 56 ans. Je ne fais pas mon âge. Bah, c'est le gras de l'épiderme. Ok. Eh, on était hyper bluffés d'ailleurs, sache-le, on regardait les vidéos et tu n'as juste pas changé. C'est mais c'est la peau grasse, je c'est vous incroyable. Jure. Bon après, c'est... ça peut amener à des, bon, alors... des plaisanteries de mauvais goût. Avant, mes collègues, quand j'étais policière au commissariat, faisaient semblant de glisser sur ma joue au moment de faire la bise. Ou alors, il y avait d'autres blagues, sympa, genre sympa, à la pause déjeuner. Ah, oh, il est où le beurre? Il y en a plus. Ben Natou, viens, ramène ton front. C'est bonne idée. Avec un couteau. Attends, je peux afficher vite fait plus qu'il y a eu un maximum de bits d'abonnement là. C'est n'importe quoi. Oui, alors c'est bits. Ouais, il faut lire vite. Est-ce que Natou vend son huile? Natou beurre. Vend son huile. Il y a Tom qui. C'est quelqu'un du chat dans ces ouais, trucs. C'est dans le chat. C'est dans le chat. Ouais, ouais. Quelqu'un qui demande si tu vends ton huile. L'huile de Natou. Mon bah, il y a une twitcheuse qui a une streameuse qui vendait son eau de bain. Ça, oui, avait, désolé, ça avait beaucoup tourné sur internet. Attends, on a beaucoup de gens à remercier là. Où est-ce que je dois. Je peux pas remonter plus que tout ça. Non, j'ai trouvé tout une solution. Là, je suis tout en haut. Ouais, mais c'est ça. On a Padou qui a offert 1000 bits. Incroyable. On a Odoter. Merci beaucoup, Padou. 1000 bits, c'est énorme. On a Odoter qui a pris un abonnement de niveau 1 pour une durée d'un mois. N-moi aussi, abonnement merci. Et RNRA qui récidive et qui surenchérit qui petit à petit, je pense, espère gruger Padou. Mais là, il met un bit. Merci beaucoup. Et donc, ces sons-là, ouais, c'est quand les gens donnent des trucs. Youtubeur. Ah mais oui. Ah mais oui. Voilà. Un jour, vous savez quoi, on fera une émission, ce sera le chat qui fera l'émission et nous on sera dans le chat parce que franchement. Je pensais faire peut-être un podcast sur la peau grasse mais. Voilà, visiblement les gens sont convaincus. YouTubeur, c'est incroyable. On veut une eau de front by Natou. Ouais, franchement. Déjà une fausse pub de. Ou de front. Très drôle. Bah attendez, je vais aller chercher. Tu veux commencer tu vas chercher, maintenant que j'ai plus de complexe avec vous. Ouais, dis-nous. Oh, y a un suspense là. Tiens, tu vois, tu vas venir au milieu en plus parce que moi j'ai envie que c'est entre nous. Ah, je m'en mets au milieu. Bah ouais, vas-y, je préfère. Alors en fait, j'ai une petite un petit étui avec des. Ah non, j'en ai plus, je suis trop triste. Ah. C'est des feuilles que tu mets, des feuilles matifiantes. Ah oui, oui, j'ai absorbé le sébum. Ok, d'accord. Bah, en fait, je l'utilise tellement. Moi j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas le moment, comme quand on jette ses clopes, de le jeter à la poubelle et on assume son beurre? J'assume. Hop là. On continue ce petit jeu. Oh là, on a Dare Yoda aussi. Merci beaucoup qui s'abonne. Merci beaucoup pour le Prime. Vas-y, ouais, on continue le petit jeu. Jean Fouidou. Ah oh bah ça doit être une parodie des pubs. Ça c'est non. Un golden moustache. Ah. C'est ta voix. Tout à fait. Tout à fait. C'est un truc dont t'as honte un peu. Ah non. Non. Si c'est bon, je sais. C'est une parodie. Ouais, c'est dans ton sketch. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je fais le flingue, c'est je quoi? Pose c'est... Ah non, c'est Jules. Ok, c'est bon, Jules. C'était okay. Jules. J'ai eu très peur. Comme ça, je pourrais être dans il fait le signe. Mettez-moi dedans. Vous avez vu ce compte Twitter, c'est trop drôle. De quoi? Ils font le signe. Et c'est que des gens qui font le signe de Jules. Donc, avec un peu de chance, je serai dedans. oui, c'est dans ton sketch l'insomnie. Tout à fait. Ok, très c'est bien. Le générique. Je connais bien. Jean Fouidou, y a pas les tu frottes, ça mousse, c'est tout. Jean Fouidou, tu frottes, ça mousse, c'est tout. Jean Fouidou, tu frottes, ça mousse, c'est tout. Balance ton beurre. Alors là, ça peut prêter à confusion. Le balance ton beurre, pas ouf. Oui. Oui, c'est genre deux R. Vas-y. Top, il en reste trois, je crois. Allez, vas-y. Ah, tu sais quoi, tu nous les mets trois d'affilée. Allez, on se fait un burger de la mort. On répond qu'à la fin. Ok, très bien. Vas-y, on ça fait va. Ça. On garde il en reste plus que trois en très fait. Bien. Mais Ah oui. Un burger de la mort, on l'a mis dans l'ordre. Et on voit si toi ou moi qui gagne de nous deux. Il en reste six. Est-ce que tu veux faire les six? Un burger vegan. Il en reste six en fait. Vas-y, on se fait un burger de la mort. Moi je suis chaud. Vas-y. On se concentre. Attends, six. Six, c'est dur. Oh non.
T'as un stylo. Ok, vas-y. Vas-y, le burger de la mort, ça me plaît. Je sais même plus ce que c'est peut-être impossible. Burger for life. C'est Crash Bandicoot. La meuf qui a tout, elle est pas cool. Désolé. Les oreilles. Je le remets, je le remets. Plus faible et je le remets. Flappy Birthday. Voilà. Ça, alors, c'est le premier. Ouais, bah. Ouais. Non, j'ai pas. Ok, on saute. Et moi qui me commande rien, hein? Tu sais très bien que j'apprécie pas ce genre de plaisanterie. Sors de là. Deuxième. Oh, c'est bon, t'inquiète pas, j'ai rien non plus, ok. Je continue. Vas-y, vas-y, continue. Bah... Ah, mais on va sortir, monsieur Ricat. C'est moi. C'est donc. Ah, ça, je pense l'ai, que. Ouais. Mais c'est fascinant. Je m'y vais. Ok. Ok, ça j'ai. Peut-être sur un livret, peut-être avec 81%. Moi, c'est toi. Oui, peut-être sur un livret, peut-être avec 81%. Ok. Ça avait coupé le début. Vous restez petit, en fait. Exactement. Et voilà. Attends, le dernier. Ah oui, mais j'avais pris des trucs balèzes. J'avais pris des trucs un peu balèzes. Attends, restez petit, exactement. Restez petit, exactement. C'est un sur 4, c'est quoi? Attends. Ah non, c'est avec Cyprien. Ah non, oui. Oh, je les sais. Gens sont ah oui, bons, t'as cherché un vieux dos. Toi, tu peux trouver le dernier aussi. Mais c'est vieux dos. Je me rappelle plus de ce qui. Alors, bon, les deux premiers, on n'a aucune idée tous les deux, on est d'accord. Ouais. Oui, alors c'était lequel le premier? Les gens. Non, c'était l'autre. Est-ce qu'on essaie de se faire le premier? Le chat, est-ce que vous le trouvez? C'est une chanson. C'est une chanson. C'est pas. C'est un. Que bon, sur quelle chaîne? J'allais dire un Mister V, mais non. Sur quelle chaîne? Oui, ça a été trouvé. Ça fait un. J'effectue le dab. Tout à fait. J'effectue le dab. J'effectue le dab. Ok, ok. C'était l'intro. Ah ouais, faut le trouver. Bah, j'avais peur que après soit vraiment ton passé. J'effectue le dab. Ok. Notamment parce qu'ils disent le titre de ouais, la ouais, vidéo. Ouais, ça peut jouer. D'une seconde. Ok. J'aime pas Noël, non. Le deuxième. Ah, le deuxième, c'est J'aime pas Noël, du coup. Tu me commandes rien. Tu sais très bien que j'apprécie pas ce genre de plaisanterie. Sors de là. Julien Pestel. C'est Julien Pestel. Et moi, tu me commandes rien. Ça va. Hmm, tu sais très bien que j'apprécie pas ce genre de plaisanterie. Sors de là. La deuxième voix, je vois pas qui c'est. Parce qu'il y a une petite. Petite subtilité. Passe en pécho, non? On dirait. Non. On dirait que c'est par le drogue. Ah, ah oui, c'est le doublage. Force. Et moi, tu me commandes rien. Ah oui. Tu sais très bien que j'apprécie pas ce genre de plaisanterie. Sors de là. Génial. Bonjour l'ambiance. Incroyable. Au cas où tu l'aurais oublié, ils se sont fait je te signale qu'on est oui, là le concept. Est-ce qu'on en profite pas pour dire qu'Adrien Méniel, qui est donc dans Phantom Force, sera dans la skip? Tout à fait. Dans deux semaines. Dans deux semaines, c'est Adrien Méniel, notre invité. Prochaine trivia Little Big Whale, et dans deux semaines, Adrien Méniel sera avec nous ici même, à cet endroit. Sur ce siège. On sait pas, parce que des fois il se casse, donc peut-être un autre. Oui, t'as de la chance d'être encore en vie. Bonne info. On va tout resserrer ce matin, okay. Que tout se passe bien. J'étais avec ma clé. Ah, attends, le burger je crois que vous celui-là après. Alors attends, le premier. C'est Carlito McFly. Ah, c'était Carlito McFly. Là, je sais que vous l'aviez. C'est trouvé, le burger. Mais... Après, on avait ceux d'après. Avec Vincent Tirel, monsieur Ricard. C'est oui. Moi. Mais alors, c'est bon, j'ai pas le titre. C'est pas une émission de cuisine. On appelle des gens au hasard. Ah non, moi, oui, tout à fait. Le 2. Tout à fait. Okay. Avec Vincent Tirel. Non, mais alors là, j'étais hystérique. C'est moi. C'est donc le deuxième hystérique. Épisode d'un. Voilà, les jeunes, ça me rend ouf en fait. Ça me met des pressions, tout ça. Ok, attends, et ensuite c'était. Bon, ouais, ça regarde ça. Le soir et nanar qu'on a fait ensemble, c'est ça? Tout à fait. Ok. Tout est calme, vas-y, allez! Le fameux! J'aime bien ton visage. Tu as détesté. Tout est calme, vas-y, allez! Le dégoût! Non mais, je vais y aller, c'est là! Rien à signaler! Excusez-moi! Mais attends, mais c'était quoi déjà les animés? C'était affreux. Les aventures du système solaire. Parce que ça commençait par un film. Un film live action, comme on dit. Et quoi. Se passait quoi donc... Il se transformait, il y avait une soucoupe, un truc comme ça. C'est pas genre la guerre vue par des enfants, du coup c'est pas ça. C'était un film de propagande nord-coréen en fait, c'était ça. Ah. Et du coup c'était pas bien, attention. Et en gros, c'est que en fait tout ça c'était un rêve et c'était tout le dessin animé en fait. Ouais, mais dis-toi que ce film a été vu au Grand Rex. En entier, à la soirée Nanarland le 4, je crois, ils l'ont diffusé. Donc il y a des gens qui sont restés dans la salle. 2700 personnes, ouais, sont restés, étaient là pour ça. Mais ça devait être assez dingue. Apparemment, les soirées Nanarland, c'est assez ouf. Moi, j'en ai pas fait encore. Vas-y, bah, Robin, j'ai oublié les autres. On peut pas. Oh, c'est pas folie, peut-être sur un livret, peut-être avec 81%. Ça, c'est les métiers invisibles. Je suis désolé, c'est très fort, c'est première. Non, c'est pas Media Suite Life, c'est les métiers invisibles. C'est tout à fait. Oh, c'est pas folie, peut-être sur un livret, peut-être avec 81%. Pas con, merci. Raconte, oui. Oui, il peut. Alors attends.
prends le dernier. Attends, je l'avais le dernier. Le dernier, je crois que vous l'avez. Oui, tous je l'ai. Je te laisse ouvrir. Ah non, attends. Donc vous restez petit en fait. Exactement. Non, je l'ai pas. C'est Sip et Wam. Oui, oui, ça, oui. C'est un sketch qui a maintenant 6 ans, comme ça, je pense. Plus. Donc vous restez petit en fait. Ah, peut-être 6 ans. Exactement. Dans, qui est passé sur M6. En direct. Enfin non, on l'a pas fait en direct le sketch, mais c'était dans une émission en direct. Ah, M6 ou W9 Ah non, W9, pardon, oui, pas M6, W9, oui, c'est vrai. Ouais, Zapping Amazing. C'est un sketch de Zapping Amazing 2. Tout à fait. C'est sur Confession Intime, un truc comme ça. C'est ça. Vraiment vrai. C'est petit en fait. Vraiment vrai. Cette époque-là. L'histoire incroyable de Valérie est parfaitement incroyable. Comment avez-vous développé ce pouvoir? Avec mon frère, en fait, on a été renversé par un camion qui transportait des produits chimiques. Mmh. Et depuis, j'ai ce pouvoir. Et votre frère? Il est mort. Tu flottais à 5 cm. C'est grave, tout seul. C'est ça le pouvoir. Ouais. Le pouvoir nul. Ouais, ouais, ok, ouais, ouais. Le pouvoir nul. Ah, ok, et bien voilà. J'en mets le blind 2, ok, ça marche. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui ont dit des Web Comedy Awards, je suis pas allé chercher. Mais dedans, est-ce que quelqu'un a trouvé Zapping Amazing? Ouais, voilà, ça trouvait pas mal. Hein, de, ah ouais, je jetais des coups d'œil. Zapping Amazing, je suis pas sûr, ah ouais, mais les autres vidéos ont été trouvées. Ah ouais, celui-là était très très dur. On peut expliquer pour ceux qui savent pas ce que c'est. Ouais, bien sûr, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui doivent avoir oublié. C'est un spectacle qu'on avait fait. Ouais. On avait fait une tournée, on avait un tour bus avec nos têtes imprimées et tout. C'était dingue. On a fait des grandes salles en plus, on a vraiment fait des grandes salles. Hein. C'était un concept de sketch sur scène en live du coup, plus des sketchs exclusifs diffusés sur grand écran derrière nous. Et c'était trop cool. C'était fou. Et on a fini au Grand Rex. On a fait 2 soirs au Grand Rex. C'est fou. Ouais. On a fait 2 soirs d'affilée au Grand Rex et le deuxième en direct sur W9. Mais aujourd'hui, j'accepterais même pas ça, je crois. Fougueux. On était fougueux. Et moi, je leur ferais. L'audace. Tu rigoles ou quoi? L'audace. C'était génial. L'audace. Non, mais évidemment, je leur ferais. Mais genre, le côté live. Le côté direct. Le côté direct, on était audacieux. Ah quoi. Oui, oui. Tu vois, genre, surtout quand t'as aucune expérience. Pour moi, c'est l'audace. C'est l'audace. Mais bon, des bons souvenirs, en tout cas. Moi, c'était trop bien. Et d'ailleurs, le making-of est super. Le making-of est dans le DVD et trop, trop bien. C'est vraiment trop marrant. Un skip avec Vincent Tirel serait tellement fou. Ouais, grave, carrément. Julien adore les super pouvoirs, il y a pas longtemps, il y a Record Pack Academy. Ouais, c'est vrai, putain, toujours. Mais c'est Nibul 2 d'ailleurs qui nous a donné pas mal de jeux à faire. Ouais, Nibul 2, il a grave coécrit cette émission. Merci beaucoup. C'est le co-auteur de l'émission, c'est Nibul 2. Il était là ce matin. On enchaîne parce que du coup, il est 21h10 et Natou doit partir à 22h. Et oui, demain, je pars à Budapest avec ma maman. Et ça, j'ai hâte de voir les stories, c'est ce que je te disais. Je veux voir les stories dans le lit avec les filtres sur ta maman. On s'est dit aller une fois par an. Non, là, ça fait longtemps qu'on n'est pas partis ensemble. La dernière fois, je crois que c'était au Laos. Ouais. Et du coup, je me dis, j'ai envie de profiter de ma maman et de faire des petites choses tant qu'elle elle arrive à marcher et qu'elle est en pleine forme. Donc, on part 4 jours à Budapest. Ça va être rigolo, je pense. Donc, tu vas faire une vidéo? Ouais, je pense. Ouais. Les gens adorent ma mère. Bah, tu m'étonnes. Mais attends, moi j'étais. Mais élu. J'ai vu qu'elle est. Tu sais... Vas-y. Ah, pardon, ouais. Je crois que je l'avais jamais vue en fait. J'avais l'impression de la connaître parce que j'ai tellement vu dans tes vidéos et tout. Et la dernière fois, j'étais à Webmedia et je l'ai aperçue. J'ai fait, oh, il y a la maman de Natou. Et je crois que je l'avais jamais vue. J'étais à fond. Et du coup, oui, j'ai vu, justement, en regardant tes anciennes vidéos, que tu avais déjà fait une vidéo avec elle parmi tes premières vidéos. Ça m'a surpris. Ah ouais? Ouais, ouais, dans quasiment les toutes premières. Soit même la première de la chaîne YouTube. Enfin, la première de. Oui, de ce que t'as laissé. Ce que t'as laissé. et oui, ou alors c'est sur Dailymotion, mais il y a une vidéo où il y a déjà. Je suis là forever, il y a beaucoup d'amour pour la maman. Ah, mais je sais plus ce que c'est du coup. Ah, bah je te laisserai aller regarder. Oh, non. Et il y a Hubert Bonisseur de la Batte qui s'abonne pour son 6ème mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le Twitch Prime. Dis-moi, Julien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le petit improzik ou est-ce qu'on. Écoute, passe à c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on est capable de faire un improzik court? C'est peut-être compliqué. Ouais, est-ce qu'on tente juste pour la vanne? On choisit très vite un pitch et de toute façon, vu qu'on a un doute sur la. Alors, pour l'anecdote. Vas-y, raconte. Les intros, ça m'angoisse à mort. Je suis champion du monde pour mettre Natou oui, hors de sa zone de confort. Et Julien m'avait invité récemment à son concept vidéo qui s'appelle Jam. Ça Jam? Exactement. Dès aujourd'hui, on le renomme Ça Jam. Du coup, c'est Arthur d'un coup. Ça Jam, bienvenue dans Ça Jam. Ça Jam pour moi. Voilà, j'ai un générique gratos. Ça Jam avec Philippe Risoli. Oh, punaise. Ouais. Et du coup, tu t'es trompé, tu croyais qu'on allait faire. Moi, je pensais qu'on allait regarder des nanars comme on avait déjà fait. La veille pour le lendemain, je me suis rendu compte que en fait, la feuille de service, les horaires, c'est beaucoup. Oui, 8h, 10h, regarder des nanars, ça me paraissait beaucoup. Attends, on va regarder combien de fois l'aventurier du système solaire, ça va faire beaucoup. Mais au final, tu m'avais rassuré, tu m'avais dit que tu avais bien aimé l'expérience. Ouais, j'avais kiffé, c'est juste que comme j'ai pas confiance en moi, j'aurais juste dit, non, je préfère pas le faire pour rester tranquille dans ma zone de confort. Donc, non, je suis trop contente. C'est bien des fois de tenter des trucs même qui te font peur. Écoute, c'est maintenant.
Non mais on tente vraiment. De toute façon, il y a encore en rodage ce format. De toute façon, c'est toujours le deuxième format de l'émission en général où on tente. On n'est jamais trop sûr de ce qu'on fait. En gros, l'improzik, on l'a fait avec Simon Astier dans la première émission de la saison 2, enfin la deuxième émission de la saison 2, pardon. Et en gros, le concept, c'est que le chat pouvait déjà préparer vos petits pitchs d'une phrase. Ah bah voilà, on a déjà des gens qui se souviennent du concept et qui balancent des pitchs. En gros, vous nous balancez un petit pitch. On va choisir très rapidement cette fois-ci un pitch qui nous plaît. Tom à la régie. Tom à la régie va nous balancer des sons. Et en gros, on improvise, donc voilà, à l'arrache évidemment, hein, c'est du Twitch. On improvise l'histoire en condensé, et Tom il va changer régulièrement. Voilà, c'est marqué, on improvise en fonction de la musique. Donc Tom régulièrement, il va changer la musique qui changera du coup le mood un peu de la scène et qui fera évoluer du coup l'histoire. Et on essaiera quand même de rendre ça un minimum cohérent, même si la dernière fois c'est parti en vrille évidemment, mais c'est aussi le but quoi. On a déjà des propositions. Bien sûr, je peux tracer ta tasse. Avec ton visage. Celle-ci, ouais. On a déjà des propositions. La baleine qui portait un string. Bon. Ça paraît compliqué. Jonathan, coach en séduction pour arbre. Ah, pas mal. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont jouer des arbres quand même. Ça me fait un peu peur. Il n'y avait pas Francis Lalanne qui avait fait une émission où il parlait aux arbres. Et ah, je sais que dans un dîner parfait, il parlait aux légumes. Il était là, genre la courgette, c'est un légume qui est. Enfin voilà, il parlait aux légumes quoi. Le retour de Carlos. Est-ce que tu veux qu'on teste le son vite fait? Vas-y. Ouais, carrément, n'hésite pas à nous mettre un petit son et comme ça on va parler, on va lire les pitchs pendant. Et comme ça le chat vous nous dites si en termes de volume, si nous on est bien sur le plateau parce qu'on a besoin de la musique et si vous en live le son aussi est bien. Voilà, ça c'est une musique qui sera pas dans l'histoire mais qui est le type de musique qu'on peut avoir pour se mettre dans l'ambiance. S'il perd une chaussette, il meurt. Ça c'est pas mal hein. Nous ouais. Valentin, s'il perd une chaussette, c'est il un meurt. C'est un peu trop là pour nous. Bah, c'est, ouais, là, c'est nickel. S'il perd une chaussette, il meurt. Moi, on se met dans un coin. Oui, oui, parce qu'il y a une tension qui est déjà présente. Moi, j'aime bien. Un dragon qui aime le fromage. Il faut que ça aille quelque part. C'est, en tout ouais, cas, mais c'est s'il perd une chaussette, tu vois, il y a une tension. S'il pète, la terre explose. Alors, ouais. Il y a une tension aussi. Il y a une tension aussi. C'est l'histoire de jamais. Là, tout est trop belle. Alors, c'est une information qui nous intéresse. Oh, malgré le gras et tout. Merci. Jamy, un homme enfermé à l'arrière d'un camion remorque, bien sûr. Mais c'est un tout petit peu Tom. Baptiste, dentiste de profession. Et vous dans le chat, la musique, niveau chat, musique et notre voix, ça se passe bien là ou pas? Histoire dramatique d'un alien et d'un raton laveur. Le chat qui perd sa virginité avec une loutre. Oh, Timothée qui tombe dans les pommes lorsqu'il regarde quelqu'un dans les yeux. Ah, pas mal. Est-ce qu'on se fait pas notre premier amour là? C'était quoi? S'il perd une chaussette, il meurt. Moi j'aime bien. Après, dans si tu regardes quelqu'un dans les yeux. Ouais. C'était quoi? Tu tombes dans les pommes? Ouais. Mais je sais pas. Mais c'est vrai que ça c'est permet. Visuel. Ouais, mais c'est visuel, non? Mais non, mais ça permet aussi de qu'il se réveille. Parce que le gars qui perd une chaussette, une fois qu'il est mort, bon bah. En fait, là, ouais, il faut garder sa chaussette. Oui, c'est vrai que dans. C'est juste pendant quelle tout peut le être truc, la menace? C'est la question. Quelle peut être la menace? Il faut pas que je perde une chaussette. Si, s'il y a Dobby qui veut absolument. Pardon. Attends, pas en bonne situation. On va changer de catégorie. Non, vas-y, on va en lire quelques autres. Le capitalisme du beurre de Natou. Oh, on a un raid de Cibou, merci beaucoup. Robert va à la brocante le dimanche matin. Alors, on a un raid de Cibou, JSCV, merci beaucoup, qui nous envoie 95 personnes sur merci. Ce bienvenue live. À vous. Donc, bienvenue à vous. Alors, je sais pas. Qui arrive au bon moment ou au pire moment. Oui, c'est ça. Selon votre choix. Potentiellement, le moment le plus croustillant. Hey, salut, merci Cibou, ça fait plaisir, merci beaucoup. Je sais pas ce que vous avez fait du coup chez Cibou, mais là, chez nous, on fait un jeu, on improvise en fonction de la musique. À tout moment, on va zapper très vite à la catégorie suivante. Et donc là, les gens proposent des pitchs qu'on va. Qu'on on va peut faire. Aussi mélanger deux pitchs potentiellement. Ah oui. Voilà. Ah. On peut faire. Allez, en tout cas, on va choisir un truc très vite. J'aimerais savoir. C'est la marque Lazy Off. Voilà, on me l'a posé plusieurs fois, du coup, je le dis. La hyène qui ne riait pas. Le jogging de Julien Lepers en pantalon jaune. Il s'ouvre le crâne, mais vit avec. Ok, ouais. Jean qui découvre qu'un gnome lui vole ses slips. Un chasuble qui n'aimait pas le sport. C'est difficile de jouer des objets, quand même. C'est difficile. Un mec dans la rue qui propose des duels de regard à des passants. Ça, c'est mais c'est très visuel aussi, mais c'est pas mal. Johnny Hallyday, pompier héroïque. Tu veux jouer Johnny Hallyday? C'est quoi? Qu'est-ce pompier, qu'il fait? Un pompier héroïque. On fait jouer la tasse. On peut le mettre dans une histoire. Tu veux qu'on tente Johnny ou pas? Ça peut être rigolo. Attends, ouais, mais faut qu'on. En fait, faut savoir où ça va un petit peu. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut juste un enjeu. Les zombies adorent le jazz. Et. En fait, il faut. Il doit choisir entre sa chaise de bureau et sa femme. Voilà, ça, là, c'est un enjeu, par là, il y a un enjeu. Là, il doit choisir entre sa chaise de bureau et sa femme.
J'aimerais bien savoir dans... On te demande si tu peux twerker. Peut-être tout à l'heure. Peut-être à la fin. Peut-être à la fin. Dans tous les cas, il est déjà 15. On se donne jusqu'à 30 pour essayer de faire un petit truc. Non, pas pour trouver un thème. Comme le papillon bleu de la dernière fois. La dernière fois, on a fait un jeu. Stressant. Il devait nous faire deviner un truc. Il a dit, attendez, je regarde le chat. Il a mis 10 minutes pour choisir papillon bleu, qui était très facile à deviner après. Donc c'était... Le kleptomane de Cyrumène. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh là là, vous êtes si drôle. À tout moment, sinon, là, c'était suffisant comme catégorie de lire vos pitchs, en fait. Il doit manger, mais il n'y a plus grand-chose dans le frigo. Le mec qui sent avec ses yeux. Il ne sait pas si épouser un tabouret est une bonne idée. C'est pas mal. Quand c'est absurde, c'est dur à tenir, en fait. Quitte à savoir si la fin n'est pas toujours mangée. Jacques Chirac, j'ai un avis. Ouais, moi en plus, j'ai du mal à choisir là. Chirac fait un podcast sur les pommes. L'homme qui entend les couleurs et voit les sons. Non, mais c'est très drôle, mais en fait, c'est trop dur. Ivre, il se noie dans sa soupe, mais. Vous bossez, il trouverait tout le chat bosse chez le Gorafi en fait. Il est mort. Tous. Comment va-t-il se réincarner? Oh là là. Il se retrouve à négocier avec un bus. Mais c'est, ça va. Ça avec va. Un buis. Ah, moi je me pense que je me suis dit que c'était un Guy bus. Guy doit tuer quelqu'un, sa mère ou le bonhomme de cet LM. Voilà. Ouais, franchement, non, mais sinon on fait que lire. Hein. Moi ça me va. Hein. Franchement, De Funès doit choisir. Ah ouais, De Funès. Ah, il doit choisir la meilleure blague pour sauver l'humanité d'une attaque extraterrestre. Ouais. Un moi je connais aucune blague. Moi je connais aucune blague. Bah justement, c'est de l'impro. Il y a des punaises dans ces chaussons. J'arrive, vraiment, je suis désolé, j'arrive pas à choisir. Toi non plus. Très compliqué. Hein. Mais en fait, c'est quoi les premiers que t'avais C'est pas mal de propositions juste absurdes, mais il faut juste un départ, un enjeu. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pour ça que effectivement, quelqu'un qui perd une chaussette et qui meurt, il y a l'enjeu de pas perdre une chaussette. La chaussette. Bon, écoute, est-ce qu'on parle là-dessus? C'était notre premier amour. C'était quoi? S'il perd sa chaussette, il meurt. Mais il faut trouver un antagoniste. C'est juste ah, ça. Tu peux jamais perdre une chaussette à part la lessive. Sauf si on peut créer un méchant qui est à la recherche de la chaussette. Oui, il y a peut-être un truc avec la lessive. Au lavomatique, il se rend compte qu'il a échangé avec quelqu'un une lessive. Mais attends, peut-être qu'il ne meurt pas tout de suite. Il a une. Oui, allez, vous savez quoi, je pense qu'il a une journée. Allez, bien, on se lance. Je ne suis pas bien. Julien, je pense qu'il n'hésite pas à nous laisser. Je peux jouer un personnage muet? Bien sûr, la chaussette. Je joue la chaussette. Je suis la chaussette. Attends. De toute façon, si on galère, Tom il sera là pour nous lancer. Il changera la musique. Je suis pas meilleur. Julien, je propose que effectivement, il meurt pas tout de suite. S'il a perdu une chaussette. Mais c'est que non, c'est l'enjeu du film. Mais non, il meurt pendant une heure après, parce que sinon. Sinon tu meurs tout de suite. Comme ça, il peut se rendre compte dès le début, genre. Ah oui. Et il y a un enjeu, retrouver une chaussette. Ok, d'accord. Il y a au moins une histoire qui se crée. Ok, d'accord. Très bien. C'est genre. Ok, donc première scène, on perd la chaussette. Ok, très bien. Vas-y. On va parler logo. Ça va être très nul. Oui, bah vraiment. Est-ce que vous êtes là pour ça, le chat? Regarde, ils vont tous répondre oui. Oui. Les 30. Non, il reste 10 minutes. On va se faire un petit movie condensé de 10 c'est minutes. Ça. Donc, en gros, Tom, là, il va nous balancer d'abord des petits logos, des petites musiques de logos pour se mettre dans l'ambiance du film. Oui. Comme si c'était un vrai movie, La chaussette perdue. Est-ce que première scène dans le lavomatique ou pas? Mais je suis païen, moi. Il faut moi, je peux être spectatrice. Bah, tu peux spectateur de la première scène. Et non, mais si, t'interviens quand tu veux, quand tu sens. Je suis qui, tu crées un personnage. Toi, t'es le gérant. J'en sais rien, je te sais. Mais qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, il est tout seul dans son délire. Mais il faut pas réfléchir. Non, mais vas-y. Si moi, avec la dernière fois, il faut pas réfléchir. Mais il faut se penser. Non, mais je pense qu'il faut juste le. Moi, je pense que je sais de la marque Hello Kitty. Allez, vas-y, balance le logo, Tom. Il est mort derrière Tom, il est très heureux de ne pas être dans le délire. Je déteste ça. Donc là, c'est des logos de films. Pas mal. C'est pas mal. Spoum, non, si, ok. Vas-y, un autre petit logo. Non, là, c'est. J'ai pas trouvé les meilleurs sons. Ça débrouille. On peut pas. Là, on peut imaginer le logo du film qui est. Ça, c'est THX un peu. Enfin, c'est un peu. Là, c'est le logo du cinéma. C'est un peu du bio en vrai. Votre cinéma CGR présente. Un truc ouais, comme ça. Ok. Mais je pense que c'est un film familial, de toute façon. C'est clairement un film familial. Ouh, là, on est sur la première en... musique, du coup, après, ouais, c'est là, ça. Sur la première allez, vas-y, première scène. Vas-y, commence, Julien, parce que oui, je te vois. Alors, on est déjà sur un film de Noël. Il y a des chaussettes accrochées. Bah oui, bah voilà. Tout est lié. Cet hiver, retrouvé. J'espère que le Père Noël va passer. Vas-y. Ah, mais il faudrait surtout pas que quelqu'un me vole cette chaussette, parce que tout le monde sait que je meurs si ma chaussette, si j'enlève ma chaussette plus de d'une heure. Mais je suis obligé d'enlever la chaussette puisque c'est Noël. Donc je l'accroche et je décris tout ce que je fais. J'ai hâte. Bon bah, comment rebondir? Regardez, on me laisse tout seul. Autant l'autre fois, mec, si moi je fais ok, là. Vas-y. Je sais pas, moi je reste là, moi je suis sur mon petit sapin. T'es sur le sapin? Regarde, et hop, j'ai mis ma petite chaussette et je vais me coucher. J'ai hâte que le Père Noël passe, mais il faut absolument que je récupère ma chaussette demain, attention. Alors Thibaut, tu as mis tes chaussettes sur le sapin? Oui, j'espère que le Père Noël va m'apporter
des magnifiques bijoux de chez Joyaux Magiques. Ah. Mais pour ça, il faut aller se coucher, Thibaut. Oui, très bien. Oh là là, j'ai si hâte. Tu me promets de pas te lever la nuit pour voir le Père Noël? Non, mais j'espère qu'on va pas me voler ma chaussette, parce que tout le monde sait que si enfin, on me vole ma chaussette et que je peux pas la remettre le lendemain, je meurs. Tu sais que c'est une légende, ça, Thibaut. Moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était vrai. Bon, bref. Bonne nuit, Papounet. Bonne nuit, Thibaut. Oh, le bel enchaînement. Okay. Ok, changement d'ambiance. Tu peux te lever la nuit, peut-être, non? Ah, on a un personnage. J'aime bien le personnage qui naît. Oh. Oh. C'est visuel. C'est voilà, j'adore. Une belle chaussette qui m'intéresse. Elle est suspendue au-dessus de la cheminée. Je vais y aller discrètement afin de la récupérer. Rien que pour ce moment, ça valait le coup. Rien que pour ça. Quelqu'un faut... Mais... C'est le catalyseur du film, hein. Mais tu te lèves pas? Ah bah non, attends, là, c'est la... Voilà. Mais, on va passer mais, à la... Mais, qu'est-ce que vous faites? Mais... Thibaut quoi, papa? Je viens de voir quelqu'un voler ta chaussette au-dessus de la cheminée. Quoi? Mais non, mais tu sais bien que je meurs si on vole ma chaussette. Non, t'inquiète pas, Thibaut, tu ne meurs pas directement. Il te reste une ou deux heures, tout au plus. Attendez, mais c'est pas possible. Ah, mais effectivement, elle n'est plus là. Ok, on va aller la chercher ensemble, cette chaussette. Tu m'entends? Tel qu'un père et son fils dans une mission pour une chaussette. Mais tu crois que c'est le Père Noël qui a volé ma chaussette? Je sais pas, on va s'en rendre compte très vite. Le Père Noël est-il un fils de pute? Mais avant, il faut que je parle à ta mère. Bonsoir. Il faut que tu parles à maman. Mais non, mais on n'a pas le temps, papa. Attends, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la chaussette restante. Mais heureusement, Thibaut, il m'en reste une. C'est moi ou cette chaussette est vivante? Bonsoir, Thibaut. J'ai ta vie entre mes doigts de pied. Ah, mais il c'est... te reste qu'une heure à vivre. Oh non, mais c'est la chaussette restante et elle me nargue. Elle me nargue, il faut qu'on retrouve la chaussette jumelle. Dis-moi, chaussette restante, est-ce que tu as vu qui a volé la chaussette non restante à chaque fois, la chaussette volée? C'est vrai que c'est un peu inspection. Ouais. On fait... Je ne sais pas sur quel pied danser pour résoudre cette enquête. J'ai l'impression qu'elle s'est levée du mauvais pied. Il nous faudrait un indice. Bonsoir. Alors... Ah oui, pardon, j'allais faire le gars carré. Tu sais ce qu'on va faire, mon petit fils? Oui, dis-moi. On va aller chercher cette chaussette. Mais où la trouver? Je n'ai pas d'indice. C'est cabaret, c'est ça? Ouais, bah visiblement, c'est cabaret. C'est dis-moi. Pas le pied. Dis-moi, chaussette. On est sur un épisode visuel, moi j'aime bien. En plus, cette chaussette pue terriblement. Oh, attendez. Oui, je sais. Si on sent... Oui. Je possède un chien qui s'appelle Kitty. Si on lui fait sentir l'odeur de la première chaussette, bien peut-être sûr. Serait-il capable de retrouver l'odeur de la deuxième chaussette. Mais où est Kitty? Kitty! 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 Vite, sans cette chaussette! On a très peu de temps, je viens de regarder sur ma montre, il nous reste... 6 minutes! 6 minutes! Ok, très bien! Avant que notre fils meure! Allez Kitty, renifle cette chaussette! Non, n'aboie pas, renifle cette chaussette! Comment, Kitty? Quoi? Oh, c'est par là! Il faut la suivre, vite! Suivons le chien! On aurait dû y aller en voiture! Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est performant, ce chien, tout de suite! Cours! Plus vite, plus vite! J'arrive pas à la rattraper, qu'est-ce qu'elle court vite! Je t'avais dit d'aller en sport, Thibaut! Thibaut? C'est pas Thibaut que tu t'appelles depuis tout à l'heure? Je sais pas, je découvre mon prénom à l'instant même! Mais non, mais... Attendez, c'est... C'est la maison de notre enfance! Mais regarde, au pied de cette maison, j'ai l'impression que cette chaussette est... t'es mangée par quelqu'un. Oh non! Mais si la chaussette est mangée, c'est-à-dire que je ne pourrais plus la porter. Écoute, et que il faut je suis condamné à mourir. Tu sais qu'il faut qu'on fasse, Thibaut, faut qu'on trouve quelqu'un qui fasse de la couture, et tout va bien se passer. Mais oui, la couturière. T'as l'impression dans Matrix, la couturière, il faut aller voir la couturière. On va aller voir la couturière, Thibaut, tu m'entends? Mais oui, mais attendez, mais il est beaucoup trop tôt, là. Avant que le soleil se lève, il y aura aucun salon de couture qui sera ouvert. Mais si. Un salon de couture. J'en connais une. Un salon de couture. Elle l'a pas cousu depuis très longtemps. Ouais. Mais je pense qu'elle peut nous aider. On dit que plus jamais, elle avait dit que plus jamais elle ne recoudrait une chaussette. Et confiance en moi, Thibaut. Il y a un personnage qui se prépare, mon pote, t'es pas prêt? J'ai vu. Sad ending. Attends, on n'est pas sur la fin là. Confiance en moi, Thibaut. D'accord, je te reste 5 minutes de vie. Tu m'entends? 5 ouais, minutes. Mais papa, j'aimerais tellement coudre. Personne ne me propose rien. Et pourtant, j'adore coudre de fil en aiguille. Regardez-la, elle veut pas jouer, elle est incroyable. Si seulement quelqu'un pouvait me donner une pièce à rapiécer. Bonjour madame, voilà une chaussette à rapiécer. Bonjour. Oh madame, écoutez, cette chaussette est trouée et si on ne la recoupe pas, je meurs.
dans des très brefs délais, dans 4 minutes. 4 minutes avant. Je vis ma meilleure vie. Merci. On va coudre tous ensemble. Un fil au-dessus, un fil en dessous. Ouais. Prêt à d'en découdre. Sinon je décède, oui. Ma passion est coudre. On est dans un Disney un peu là. Si c'est pas cousu, attends, mon fils Thibaut décède. Je suis le Père Noël, on m'a revolé ma chaussette. Pourquoi rajouter un personnage quand il reste que 2 minutes? Je m'excuse, j'ai trouvé la chaussette, je voulais mettre un énorme cadeau. Mais il ne rentrait pas dans la chaussette, du coup j'ai fait un trou, le cadeau est tombé. Le cadeau est tombé. J'ai mal remis ma chaussette. Ah oh bah là c'est la pianine là. Oh, mes chers amis. J'ai terminé de recoudre la chaussette. Oh, merci, madame Tifou. Me dites pas que c'est ma petite chaussette qui est venue vous guider jusqu'à moi. C'est ma petite chaussette. Elle vous a mené jusqu'à moi et je lui en suis terriblement reconnaissante. Merci, petit filou. Ah, écoutez, je suis si ravi de ne pouvoir ne pas décéder. Il me restait 3 minutes. J'ai même le temps de me faire une petite tisane, je crois, avant de la remettre. Oui, prenons une tisane tous ensemble. Prenons une tisane tous ensemble. Ou un chocolat chaud. Un chocolat chaud. Vous savez quoi? Je préfère infuser ma chaussette. Non. Quoi? Elle pourrait mourir. Je crois que je me suis... L'eau bouillante pourrait la tuer, Thibaut. Mais non, mais je crois que je me suis habitué à son odeur et que j'ai besoin de l'ingérer. Mais je crois que ça fait 59 minutes et 58 secondes que tu ne portes pas ta chaussette, tu vas mourir. Oh, vite. Dépêche-toi de la remettre. Dépêche-toi de... Oh, c'est non. C'est bon, c'est très détendu. Ah, comme... On n'a pas la même fin. Je croyais que t'allais mourir. Mais la musique, oh, bah non, écoute cette musique. Ah, mais je n'écoute pas la même... Tout à l'heure, j'ai regarde. J'ai remis ma chaussette. Oh là, tout va bien. Mais crève, putain. Oh là, mais... Oh, j'ai retrouvé mon cadeau. Tout va bien, merde. Tout va bien. Et voilà, on arrive vers la fin. Oh, regardez le narrateur. Le narrateur. Cette voix off, elle m'a fait un truc, moi. Magnifique. Donc là, générique. Notre ami a retrouvé sa chaussette. Tout se passe dans le meilleur des mondes. Le film de Noël. Ouais. C'était votre film du samedi soir. Vous pouvez trouver tout de suite le prochain film. Dans le rôle de Madame Tifou. Natou. Natou. Déclare dans le chat, mes amis. Le pied est exceptionnel. Natou est trop fort, on nous dit. Ah, bravo, Zien. Franchement, bravo, Natou. C'est nul à chier, arrête. Mais quoi? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est mauvais. Le chat, qu'est-ce qu'on en a pensé, franchement? J'ai joué une chaussette parlante. Je suis mort, clap clap clap. Regarde, les gens sont à fond. Vous êtes géniaux. Il vécu heureux et avec beaucoup de gilets. Merci beaucoup, Natou, de t'être prêté au jeu. Bah, j'ai interprété, je sais jouer plein de choses en fait. Non, une chaussette parlante. C'est quoi, je propose qu'on exporte un cette chien, séquence. Une couturière. On exporte la séquence et on en fait ta bande démo. Non. Merci beaucoup, Natou. Ah, merci bien, pour quelqu'un qui voulait pas le faire, c'est incroyable. Bah, franchement, c'était... bravo. Merci beaucoup encore de t'être prêté au jeu. Moi, j'adore ce truc parce que tu vois, au bout du temps, on rentre dedans et au bout d'un moment, on est des enfants quoi. Genre, juste on s'amuse. Et oui, oui. C'est ça, et faites-le chez vous. Racontez vos histoires. Ben Guigui a mis un 4 sur 20, c'est peu quand même. Énorme. Franchement, bah, tu vois, pas les... cool, hein. C'est très dur vraiment de se rendre compte quand on est là, mais rassure-toi que quand on regarde, vu que les gens savent que c'est improvisé, ouais, j'ai senti que tu voulais pas une happy end. Mais la musique était beaucoup trop heureuse. Oui. Ça aurait été un contre. 29, regardez comme on est rigoureux, on a ça, fait un petit bien. Film ça, de 10-15 minutes, hyper pro, les amis. Merci beaucoup, Natou, t'as fait le deuxième improzik. Écoute, c'est super, je suis super contente d'être là. Non, vraiment, regarde, les ça gens fait tellement plaisir. Jam sur 20, on a fait un nouveau jam en fait, finalement. Ah, tu mais vois, oui. Dans des conditions encore plus extrêmes. N'hésitez pas à tourner ce qu'on vient de faire. J'ai couillé la fripouille. Ça va, toi? Oui, c'est vrai. Ah, mais c'est fou, ça te Mireille Mathieu, un peu aussi. Et toujours le gras du front. J'allais dire, on est en train de développer le beurre. Ah oui, j'ai pas mal d'atouts séduction. De Natou séduction. Bon, écoute, le plus compliqué, franchement, est passé. On va passer sur une séquence beaucoup plus détente qui s'appelle Fuck the Police, qui fait écho évidemment à une période de ta vie. J'aimerais que tu sois un peu plus poli, mais non, c'est FAQ. FAQ de police. Ah, j'avais compris. Ah oui, non, mais attention, ouais, on se permettrait pas. Je t'ai pranké. On se permettrait pas. Parce que oui, c'est vrai, tu as travaillé dans le domaine de la police. Je alors, on dirait pas comme ça, mais c'est vrai que j'ai eu un métier un peu plus sérieux pendant 5 ans. J'étais en brigade de nuit, gardien de la paix. Et c'était une forte expérience. Ah, c'est moi. Eh ben écoute, tu vas peut-être la revivre un petit peu à travers le jeu vidéo, grâce à un magnifique jeu de simulation qui s'appelle Autobahn Police Simulator 2, qui a été gentiment proposé par le chat ce matin par Nibul, ça je me souviens. C'est un jeu allemand. Oui.
Ah bon? Oui, parce que c'est marqué oui. Polizei. En fait, comme j'étais policière, j'ai un sens. Et Autobahn, c'est l'autoroute. Police en polonais. Et de l'observation. Polizia. Police en italien? Bah, casse le décor. Mais je suis une vandale. Je suis une vandale. Ah, donc quand on travaille plus chez la police, on passe directement du côté des voyous, quoi. C'est vraiment genre, y'a pas d'entre-deux. On en profite, quoi. C'est les chaises musicales, tu vas prendre cette place. Allez, on se redécale. Alors, je choisis un personnage. Alors, hésite pas à le créer, non, c'est ça, on peut créer. Ah ouais, à quel endroit on clique pour le personnage? Là, pour le moment, faut choisir prédéfini. Oui. Ah bon? Et tu vas voir, après tu vas le changer. Là, tu peux choisir homme ou femme. Bah, je veux une meuf. Du coup, après. Continuer, et après, tu fais continuer en dessous. Et là, alors là, c'est l'éclat total. Tu peux tout changer, les yeux, le nez. Il y a tes copains qui nous régalent, qui disent en même temps, c'est le bordel dans les étagères. Il a raison. Je la mets au milieu, la couleur de peau, au on milieu. Pas. Hop. Des rides. Un maximum de rides. Magnifique. Tu vois, là, elle a pas la peau grasse. Hein. Tu vois? C'est vrai. Ah, pas il y a mal, peut-être ouais. une option. Ouais, Tom, tu peux nous mettre en config Akina doublage, un truc comme ça, ou comme ça, il y a le fond vert. Les et taches on est, de rousseur, très mignon. Des cicatrices. Ah, ou si, c'est pas mal ça. Ah, ouais, ça c'est... Avec le fond, ouais, nickel. Ça, c'est le retour de la balançoire. Ouais, là. Ouais. En fait, le fond... C'est pris une balançoire ah, à oui. l'arcade. Ouais, okay. Ah, oui, ouais. Ah oui, tu peux lui mettre des cicatrices. C'est arrivé à ma mère. C'est une petite dédicace de à ma se prendre une balançoire ou... ouais, ouais, une balançoire. Oula, voyons. Alors, est-ce qu'on a l'option front ce matin? Oh! Non, on a... Vous avez regardé? Ah là là! Non, c'est pas mal ça. Ensuite, on tourne. Bonne... Qu'est-ce qui s'est passé? J'entends bien un bruit. Hop! Bon, du coup, le chat, c'est le moment un petit peu où vous allez pouvoir aussi avoir l'opportunité de poser des questions. Parce que je vois pas mal de questions qui popent. Oui, bah là, on est pas mal. D'où le FAQ. Voilà, donc. Tu veux continuer? Natou, ouais, vas-y, bien, continue, vas-y, c'est toi qui joues, hein, c'est ton jeu. Mais là, elle est choisir... démesurée. En fait, là, tu peux choisir les tailles des bras, justement. En gros, tu cliques sur la partie que tu veux changer. Et après, tu cliques sur le rond qui est là et tu restes appuyé et tu. Voilà, de. Sauf que là, il faut la voir de côté. Attends, tu peux la pivoter avec le clic droit. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Attends, le clic droit, tu peux pivoter peut-être? Bah, on peut plus la pivoter. Elle a des bras gigantesques. C'est le clic droit. Ah, voilà. Et là, tu peux la pivoter. Elle peut facilement se gratter le genou, cette femme. Ah, d'accord. Voilà. Oui, d'accord. Bah, effectivement, il y a. Tu peux tout faire. D'accord. Mais là, c'est option vend dans le t-shirt quand même. C'est genre, c'est très mal fait. Pas du tout, c'est hyper réaliste. Les seins vont jusqu'au nombril. Ne t'attends pas à un jeu très bien fait. Je préfère te le dire tout de suite. Ah, bah au moins là, ça mérite d'être droit. Natou, tu préfères Julien ou Valentin? Première question, direct. Bon. Je l'ai lu, écoute, je l'ai lu. Mais je connais Julien depuis plus longtemps. Et oui, voilà. Ah bah oui, bah, je le savais. Et on a partagé des expériences telles que le Zapping Amazing. C'est vrai. T'étais pas sur le bus. Ils sont engueulés. T'y étais pas. Non, j'étais pas. J'étais que Grand Rex. T'étais où à ce moment-là? T'as quoi écrit pour le Zapping Amazing? Mais oui. Ouais, c'est vrai. J'ai pris une voix très aiguë. T'as quoi écrit? Donc oui, voilà. Bon, Natou va essayer de pouvoir jouer malgré tout. Elle va quand même découvrir le jeu, mais je vais essayer de lire. Je vais prendre le chat aussi sur mon téléphone et je vais essayer de lire. Et comment la remettre face, Valentin? C'est le clic droit en fait. Et tu tournes. Voilà. Ah. Découvrons ensemble. Bah, c'est très bien. C'est très bien. Et les fesses. On rappelle que c'est un jeu après de policiers, hein, parce que pour le moment. Ah, y a une question. Tu vas pouvoir répondre à tout, mais moi je vais pouvoir, je pense, préciser aussi. On te dit, Natou, on vient d'être témoin de ton formidable talent d'improvisation. Oh. Improvises-tu beaucoup sur les tournages? Mais pour le moment, non, c'est vrai qu'il y a pas mal de les scripts, tout est pardon. Tout est écrit. Bon, ça arrive de temps en temps, mais c'est vrai que t'as tellement pas le temps de perdre de temps sur les tournages. Même Jam, t'as vu comment c'était Bah moi, j'allais dire que sur Jam, quoi. T'as improvisé. Enfin, après, dans tous les cas, y a pas le choix sur mais Jam c'était parce que le but, y a pas de texte. Y a pas de dialogue, donc on n'a pas mais le temps. Mais des fois, oui, des petites impro, mais la plupart du temps, on s'en tient quand même au texte. Très sérieusement, tu fais ce personnage. ouais, mais franchement, moi j'ai été trop bluffé de par ce ah ouais, niveau j'ai l'impression sur Jam, du c'était caca, incroyable. Ouais. Ce que vous voyez en gros dans le sketch qu'on a fait sur Jam, donc un sketch qu'on a fait en une journée avec Natou sur ma chaîne, c'est tout le passage, toute la séquence de début avec toi là, c'est 100% impro, c'est quasiment première séquence one shot pour Natou quoi. Donc c'était incroyable, moi tu m'as trop bluffé à ce moment-là. Ah ouais. Mais ouais, je te le dis. Putain, pourtant, c'est comme là, tu te rends pas compte là tout à l'heure avec la couturière et tout. Ah oui, non, c'était super. C'est nul à chier. Non, mais les gens, je peux te dire, ont adoré. Alors passez l'introduction. Les gens vont t'en parler pendant 10 ans, tu verras. Ok. Et là, c'est. Tu peux. Donc, on est en simulation. Hein. Ah non, ça marche pas, les gars. Ah bah, yes, super. Ah, il y a le clavier, non? Ah non. Le Christian.
Alors, pourquoi alors, attends, tout marchait. Je vais prendre les petites questions. Ouais. Attends, t'as dit. Est-ce que là, le Christian en a tout? Le pardon. Christian en clavier. Pardon. Vous pas si, si, mais les si. Gars. Non, mais il n'y a pas à soulever en fait. Je soulève. Non, mais. Oh! Je suis intégré dans le jeu, dis. Eh oui, dis. Natou devrait tenter l'impro plus régulièrement, elle est drôle naturellement. Oh. Ah, voilà ce qui se passe quand on va dans la skip et qu'on est drôle. Ça marchait très bien tout à l'heure, c'est fou, hein. Mais t'inquiète pas, j'ai le temps de lire plein de questions pour l'instant. Polizei. Une prochaine occasion de voir Natou dans une prochaine grosse production. On nous demande. Oh, mais en fait, il y a tellement. C'est vrai qu'en ce moment, il y a moins de vidéos sur ma chaîne parce qu'il y a des trucs en parallèle qui se passent. Ouais. Et tu peux pas vraiment en parler tant que ça se fait pas. C'est frustrant. Enfin, tu veux dire parce que c'est des trucs qui sont pas sûrs de se faire ou parce que c'est t'as pas encore le droit d'en parler? Si, il y a un truc, c'est sûr que ça va se faire, mais okay. Ça a pas été annoncé. Ouais. Donc voilà, un truc pour Amazon Prime. Ok, ah bah c'est trop bien. Bah oui, effectivement, la grosse production, effectivement. Voilà. Ah oui. Trop bien. Ouais, et puis d'autres choses où je peux pas en parler parce que ça concerne une personne et ça va niquer toute la surprise. D'accord. C'est moi, c'est voilà. Eh oui, c'était pour toi quand j'ai dit que je préférais Julien tout à l'heure, c'était faux. En fait, j'ai un tourbus pour toi tout seul. Ah, merci. Pour faire des Twitch dans toute la France. Ben, avec plaisir. Normalement, ça marche. Ça marche? Non. Non, bah, j'en ai marre de ce truc. Ah, il y a un stick. Non, mais est-ce que ça marche? Ah, non, ah, bah, non, mais parce que. Maîtrises-tu le clavier souris? Alors, très bien, c'est peut-être juste débranché. Sinon, non, mais si même là, c'est en QWERTY, ça va être normal. Bah, vas-y, t'inquiète pas, on a le temps. J'ai des questions. Est-ce qu'il y aura le Snow Web Comedy cette année? Bah, je sais pas encore si c'est validé. Mais si ça se fait, ça sera dans une autre station de ski parce qu'on allait à la Toussuire. D'ailleurs, c'est Natou the Unicorn qui nous demande ça. Il y a quelqu'un qui a créé ce compte là. Je sais pas si le compte a été créé spécialement pour l'occasion, mais. Mais tu peux lire là tes questions? Oui, mais c'est pour pouvoir remonter parce que là j'ai pas. C'est pour montrer que t'as un nouveau téléphone ou quoi? Mais société non, de consommation, iPhone 11 Pro extrêmement cher. Extrêmement cher. Le tien marchait bien avant, non? Il me semble en non, plus. Non, en plus alors non, la batterie évidemment tenait il pas trop. Marchait très bien. Non, la batterie tenait pas. La batterie ne tenait plus. En plus, je t'ai chambré tout à l'heure avec ça. Bah oui. Parce que tu n'assumes pas de changer. Non. Bah, en fait, il marche très bien mon 10, donc je me retiens d'acheter le 11. Ouais. Pour pas montrer que dès que ça sort, bah, j'achète direct. Non, je suis d'accord. Mais ça se trouve, je dis ça et dans 3 mois, je vais craquer. Ouais. Moi, j'avoue, ce qui m'a tenté, c'est la vidéo, parce que la vidéo est très très performante. J'ai envie en ce moment de refaire des petites vidéos, justement, bah, un peu footrack sur Instagram et tout. Donc ça va m'aider, je pense, à faire ça. En revanche, on m'a dit que l'iPhone 11 était fait à partir de matériaux recyclés. C'est vrai ou c'est faux? J'avais lu ça. C'est vrai? Oui, c'est vrai, nous dit Tom. Eh, Tom, il a les bonnes infos, c'est Wikipédia. On va te surnommer Wikipédia. Mais est-ce que c'est genre, il y a un élément recyclé et on se donne bonne conscience ou vraiment? C'est l'entièreté du téléphone, il me semble, qui est des matériaux recyclés. Donc tu cherchais une bonne excuse de la rien. Mais attends, mais en fait, Julien, t'es pro-écologie en fait, à travers ce geste revendicateur. Écolo, effectivement. Ouais, t'es à fond là-dedans, toi. On nous demande, il y a Nikos5BR qui nous demande, je sais pas pourquoi je l'ai lu en américaine, qui nous demande si le latte chaud reviendra. Ah non, mais en fait, déjà, Juliette Trezanini, bah, elle joue dans Demain nous appartient, elle est tout le temps occupée. Là-bas, elle est à 7, ça se tourne à 7, d'accord, dans le sud. Ouais, donc déjà, c'est compliqué. Voilà, Audrey, elle a des gros projets qui arrivent aussi, donc pas le time. Ouais. Marjo, pareil, elle fait reprendre sa chaîne. D'accord, donc c'est... Non, c'est bien, toutes les bonnes choses ont une fin, il faut s'arrêter à point nommé. D'ailleurs, je clôture ma chaîne. C'est un truc trop triste. Non, ouais, c'était trop cool, mais voilà, chacune a ses projets et c'est comme ça. Hein. On a Boss Crazy Man qui nous dit Amazon Prime, on aura peut-être la pub sur Twitch. Et c'est vrai que sur Twitch, il y a des, bah, comme sur YouTube, il y a des pubs avant. Ah. Et c'est très souvent, vu que c'est lié à Amazon, Twitch, ça appartient à Amazon, il y a très souvent les pubs pour Amazon Prime. Donc ça d'ailleurs, je me suis abonné, on m'a donné les codes récemment, juste pour que je puisse regarder The Boys sur Amazon. Ah oui, apparemment c'est bien. Ouais. Est-ce que vous avez vu cette série? Moi je l'ai adorée, vraiment très, sympa. Très originale. Eh ben, écoute, ça veut dire que tu as un Twitch Prime à disposition, n'hésite pas à l'utiliser pour une chaîne Twitch par exemple. En vrai les gens le savent pas, quand t'as un abonnement Prime du coup, Amazon Prime tout ça, c'est pour ça que là il y a plein d'abonnements Prime de tout à l'heure, c'est un abonnement qui est gratuit en fait, t'as pas à payer pour le coup pour t'abonner à notre chaîne ou à la chaîne de quelqu'un d'autre si tu veux soutenir quelqu'un d'autre, c'est à toi de voir si tu veux soutenir quelqu'un d'autre ou nous, et tous les mois tu peux t'abonner à une chaîne, c'est super stylé. Quelqu'un dit, pas ouf The Boys, je préfère Louis la Brocante. Eh oui, bah la Zim, je suis d'accord avec toi, oui c'est vrai. C'est ça. Non oui, non, là c'est hors catégorie. Un retour du Zapping Amazing, je crois pas non plus, toutes les bonnes choses. On sait jamais. Tu sais, quand dans 10 ans, 40 piges. Oui, en mode les bronzés 3. Ça marche. Ils sont de retour. Alors. Coliglou qui nous dit à quand un troisième chien? Non, mais déjà deux, c'est énorme comme boulot. Hein. Mais j'imagine c'est que. C'est pas des peluches, hein. Ouais, il faut beaucoup de.
Oh, j'ai soif. Moi, je fais souvent des cystites, donc j'aimerais bien boire un petit verre d'eau. Alors, le ATR challenge, je sais pas si ça va être possible. Je me sens pas trop. Alors, écoutez, moi, je vais partir un peu en patrouille. Ouais. Bravo, Valentin, Anthony. Ah, pour. Bah, ah, ça. En fait, j'ai dû refaire. Oui, Tom, si on peut afficher le jeu, j'ai dû. Elle peut pas marcher. Ah, oui. Ce qu'on a pas vu, c'est que j'ai dû refaire le personnage. Déplacement rapide. Je vais aller manger un donut. Bah oui, alors d'accord, bonjour les clichés dès le début. Super. Mais je suis policier ou pas? C'est vrai que le truc est juste en face quand même. Hein. Oui. Bonjour monsieur. Activité. Donnez-moi un donut. The usual, please. Here. Fresh comme d'habitude. Goods for our friend and helper. Mmm, delicious. Oh. Je l'ai refait vite. Hein. Et c'est tout? Ah bon. Bon. Alors il faut aller chercher une mission. Ok. Dans il y a un poste de police. Voilà. C'est à l'intérieur, c'est à l'étage. Poussez-vous, chenapan. Hop là. Il y a Nibu qui aimerait bien te voir dans Il fait tout noir de Aurélien Prévost. Je sais pas si tu connais son format. Non. Eh ben, Nibu. T'es dans le noir. En gros, t'es chez toi dans le noir et tu dois faire des activités de ce que tu fais le matin, mais dans le noir pour voir si tu sais le faire sans lumière, enfin avec les yeux bandés. Ok. Ces plans de caméra sont hyper gênants. C'est vrai que c'est le pire. Ah oui, il est horrible le jeu. Oh, il y a le Parizone, il y a le scotch qu'on avait nous. Oui, mais peut-être c'est pas marqué parti dessus. Non, bah non, je pense pas. Je suis nul à chier. Non, c'est pas toi, c'est vraiment le jeu qui est merdique. Non, mais déjà, j'ai besoin de comprendre le plan. Alors, bonjour. C'est celui d'à côté. C'était dans le bureau d'à côté. Ah, vous m'intéressez pas en fait. Qu'est-ce que c'est bien fait? Attends, on a Wilmo qui nous dit un truc essentiel. Natou, combien de RT tu ouvres un Twitch et tu fais Eglantine Gaming? Alors, déjà, Twitter, c'est. Oh, ignoble. Vraiment, j'aime vraiment pas cette plateforme. Ouais, tu vas pas. C'est fou que les gens te mentionnent des fois. Hello, boss. You wanted to speak to me? Yes, I want to give you a special task. Sa peau est en carton. Ah, tu vois, d'autres. Mais son crâne, il bouge quand il parle. Oui, mais il ne suit pas, lui. Il ne pas. Ah, oui. C'est un choix. Hein. C'est avoir une peau en carton. Il est rugueux, il est très rugueux, ça se voit. C'est une peau en carton ou une peau. C'est vrai qu'il a le front qui. Il a mis beaucoup de terracotta. C'est Louis C.K. qui a essayé de se camoufler. Mais même l'intérieur des oreilles bouge quand il parle. Bah, ça fait pas ça, top priority. Non. Là, bah, c'est ça qui fait. Alors, j'ai rien écouté, mais je vais accepter. Il y a des gens, quand ils parlent, ils ont le nez qui bouge un peu comme ça. C'est trop mignon. Vous voyez ça? C'est oui, les gens, comme ça, oui. Allez, on a été en gros plan juste pour faire ça. Quelqu'un a suivi la mission? Faut suivre. Wow. Faut aller prendre ta voiture et puis aller au point. Au point S. Tout à fait. Et donc, ça te rappelle un peu ta vie d'avant? Bah là, en fait, c'est vraiment fulgurant de réalisme. Et on dirait que c'était mon commissariat à moi. Ça me fait un peu d'émotion là d'ailleurs. C'est tous tes collègues qui ont été modélisés. Bah oui, on a fait de modéliser tous tes anciens collègues. Parce que c'est là, les mêmes gardés à vue que d'habitude. D'ailleurs, il y a Bougounet qui nous dit: raconte-nous une petite anecdote de quand tu étais gardien de la paix. Est-ce que t'en as une La plus forte, mais j'ai sûrement dû déjà la raconter en interview ou quoi. Mais ah pardon, je voulais y aller à pied. Non, parce que manger, bouger, c'est 11 km à pied. Donut, après il faut marcher. Oh les mains, mais c'est super flippant, j'ai pas vu. Bah oui. C'est pour mieux attraper les cambrioleurs. Allez, dis-moi la réponse. Attends, elle est où ma caisse? Elle est à gauche. Ah oui, elle est où ma caisse? Derrière toi. Eh mec. Derrière toi à gauche. Mais je peux pas raconter mes anecdotes en fait. Si tu veux y aller à pied, ça fait loin. Mais toi, t'adores marcher après, t'as fait 18 km dans le désert. C'est tout, on te sollicite de tous les coins. C'est où cette merde? Il est où mon Scénic, mon Renault Scénic? C'est juste derrière, en fait c'était juste à côté de là où tu Marcel pas tout là-dessus. Par là. Le fameux. Brigadier chef. La nullité de ce policier. Ah. Oh, une BM, une petite BM. Donc du coup, je raconte ou pas? Mais attends, c'est dur de se concentrer. Pendant que tu nous emmènes. Écoutez. J'étais stagiaire, j'avais 21 ans. Ah! J'avais 21 ans et j'étais en stage donc en commissariat, première fois sur le terrain. Je regarde à gauche. Qu'est-ce qui se passe? Et je conduisais à peu près de la sorte. Mais pourquoi j'ai ça? Je vois rien. Ah, d'accord, ok. Ah, merci. Ah, c'est peut-être un problème de manette. Je vais. Oh, l'accident. Allez, oui. Ça m'a cassé les couilles. Allez, allez. On continue. Vas-y, à pied. Mais c'est qui ce con là? Raconte ton anecdote, c'est plus important que ce qui se passe. Bon, écoutez, je suis agacée, je vais y aller à Yep. En marchant en plus. Alors. Et donc en fait. Pardon, vas-y, raconte-nous. 21 ans, stage, première fois sur le terrain. Et donc je suis en patrouille et on nous emmène en fait direction une cité pour aller fouiller les caves et essayer de trouver de la drogue, des stupéfiants, des armes. Ça se fait, je sais pas, assez fréquemment, enfin je sais pas si ça se fait encore. Et
Au moment où passe à côté d'un Picard, la célèbre marque de surgelé, c'est long hein, la balade, on entend sur les ondes qu'il y a un braquage à main armée en cours. Au moment même, on passe à côté du magasin. D'accord, ok. Du coup, là en fait, comme c'était une mission spéciale, il y avait plein de voitures, je crois qu'il y en avait 6, il y avait des hauts gradés, c'est une voie d'accélération, Nato, faut que non mais, c'est un truc, c'est mes bras qui me ralentissent. Courir sur l'autoroute, c'est un truc que fait la police aussi. Faut rester à droite, c'est tout. Faut juste rester à droite. Pardon. Et on entend, donc il y a que ça. Donc on s'arrête juste à côté du magasin. Mon commissaire me dit, vous restez dans la voiture. On était deux stagiaires, on comprenait rien. On est là, genre, oh là là, c'est une grosse mission. Et donc on reste assises dans la voiture, deux meufs. Et on entend ce qui se passe à la radio dans la voiture. Et on entend, ils prennent la fuite. Ok, donc là on est vraiment en stress. On est tout jeune, pas d'expérience. Et là je vois dans le rétro de la caisse le mec qui arrive droit sur la voiture, quoi, donc dans la rue de la voiture. Donc moi, je me suis cru en mode dans une série policière, je me dis bon ben, vas-y j'y vais, alors que l'autre, elle a pas du tout décollé son cul, elle est restée elle dans encore. La voiture, elle était genre, elle y est encore, oh, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle fait. Oui, encore. Bah, c'était ton collègue qui t'attend dans ta voiture depuis tout à l'heure. Et du coup, moi, je suis sortie inconsciente, ça aurait pu être méga dangereux en vrai, et je suis sortie, et j'ai attendu le mec, qui a foncé droit sur moi, et je suis vraiment cru dans un movie. J'ai essayé de le ceinturer, donc je l'ai ceinturé sauf que au-dessus des bras, alors tout que seul, le principe c'est de ceinturer comme ça pour que les bras soient bloqués. Ouais. Du coup les bras libres, il m'a foutu une énorme patate. J'ai perdu connaissance, je suis tombée au sol, mais je suis restée accrochée telle une moule à son rocher autour de ses jambes. Du coup il est tombé. Et il s'est fait très mal au genou, et du coup les collègues ont pu le rattraper juste derrière. Et moi je suis sortie de mon truc et tout, genre j'ai vu l'action, j'étais en mode ouais trop bien. Deux jours après j'avais des bleus, c'était même plus des bleus, c'était des jaunes. C'est une reproduction. Les bleus étaient jaunes, verts sur toute la mâchoire, et j'étais trop en mode c'est une blessure de guerre. Alors, ce qui est complètement con, parce que ça aurait pu être vraiment dangereux, le mec aurait pu avoir une arme, parce qu'on nous appelle sur un vol à main armée. Il s'avère que c'était des armes factices, mais je sais pas, dans le feu de l'action. Et t'ont dit quoi après, j'ai eu une lettre d'honneur, ou enfin une lettre de félicitations. D'accord. Et en même temps, le commissaire m'a dit non, je sais pas si j'ai eu une lettre. Bref, en tout cas, il m'a félicité. C'était bravo, mais c'est un non, ouais, la première phrase c'était genre c'est très dangereux ce que vous avez fait, mais. Ouais. Quand même. Est-ce que t'as eu le rendez-vous comme dans L'Arme Fatale, genre il faut arrêter les conneries maintenant, arrêter de tout casser dans la ville. J'ai déposé mon arme. Mais depuis, elle se fait appeler des fois, genre on a besoin de Calédonie pour une mission vraiment dans le jeu. Pas si vous avez le permis de tuer. On sait que vous vous êtes retiré, mais c'est on a besoin. C'est un plan inconscient, quoi. Tu veux faire Tu veux lui voilà. Ah, tu c'est fou. Ah non, c'est que parler. Attends, t'es un flic. Donne-moi ta caisse. Ah, tu peux pas lui parler. C'est pas GTA. Oui, tu te. Ah d'accord. Vraiment, j'ai fait l'action nulle, j'ai laissé la voiture. Attends, 16 km, c'est-à-dire. C'est 11 km. Oui, il fallait pas y aller à pied. Mais bon, c'est pas grave, on passe un très bon moment. Moi j'aime bien, j'aime bien. Mais non, mais sinon je peux essayer de récupérer la voiture. On est en train de faire du workout parce qu'il y a, un petit peu d'éliminer. Il faut éliminer un petit peu, donc ça tombe bien. Tu rigoles, elle fait du sport sur les bras par contre. Hop là, sans s'inter. Mais c'est si mal fait, tu es venu par là, tu peux même pas y retourner. Eh les amis, nous reste 10 minutes de toute façon. Est-ce qu'on enchaîne pas? Il y avait quoi? Ah, il y avait pas un jeu où on lit les commentaires des gens? Tu veux qu'on fasse ça? On va faire ça. Est-ce qu'on peut terminer là-dessus? Et en vrai, le jeu, on aura peut-être pas le temps de le faire, ou on le fera que nous deux. Et puis, voilà. Avec plaisir. Vas-y, on fera ça. Ce jeu-là? Non, le petit jeu final dont t'avais parlé tout à l'heure, malheureusement, qu'on pourra peut-être pas faire avec toi. C'était quoi le jeu final? C'était un peu comme ça. Je vais plus à Budapest. Je plante ma mère. J'abandonne ma mère. On l'appelle. Et tu fais. Allô, maman? Non, mais vas-y, faisons le fait de marrer si tu veux tester. Ouais, on va faire. Et on a 10 minutes. Et moi je suis incrusté. Mes amis, si. Est-ce qu'on enlève le fond vert? Bien sûr, plus. Ah non, laissez-moi incruster. Je peux être dans un décor avec des chiens? Bah écoute, alors, Tom, il adore les défis. Tom qui vient d'arriver, vas-y. Qui fait ok. Mettons Natoo dans des chiens, le temps qu'on explique le concept. Alors je vous explique rapidement le concept. Natoo, elle arrive sur Twitch, elle est hyper à l'aise, j'adore. moi je suis à l'aise dans la vie. Mais oui, non, mais c'est trop bien. Merci encore d'ailleurs, Natoo, parce que du coup, on va vous quitter rapidement, mais c'est pas grave. T'es trop ravi de t'avoir. On va mais du vous coup faire ici à quelle heure? Bah en général, 22h30. Vers 22h30. Vu qu'en général, on commence un peu en retard, on finit un peu en retard. Mais il n'y a aucun souci, t'inquiète, là, c'est déjà on a fait plein de trucs très très cool. Et on peut tenter, on a 10 minutes pour se faire le fait de nous marrer. Je réexplique le concept rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, c'est très très simple.
Vous allez avoir le droit d'écrire tout ce que vous voulez dans le chat. Alors, en général, écrivez des trucs plutôt courts parce que ça défile assez vite. Essayez d'écrire un truc. De toute façon, les modos qui sont toujours là, d'ailleurs, merci encore les modos, passent le chat en mode lent. Donc, vous aurez le droit qu'à une seule phrase pendant un laps de temps précis. Donc, balancez votre son au moment, votre phrase, pardon, au moment où on va vous le dire. Pendant ce temps-là, il y aura une personne qui devra lire tout ce que dit le chat et qui ne devra pas rigoler. Donc, ça va être à vous de faire la bonne petite blague, le bon petit jeu de mots. Voilà, en gros. Et nous, on aura une petite musique, faudra tenter de résister. Il y a Tom qui est fait. Attends, faut que je foute une image Tom, derrière. Ouais, non, t'inquiète. Plus que je mette le chat, la musique. Prends ton temps, Tom. Et ce que je propose, c'est que sinon, en attendant, justement, bien sûr, on remette le petit cadeau parce qu'on a toujours un petit cadeau. Mais non, si. Si, mais si. On adore parce qu'en plus, tu viens gentiment, gratuitement, il faut le dire. Oh ouais, aussi. C'est mon cadeau. C'est des bons chiens. Des bons chiens. Je les adore. Magnifique. Ils sont si doux. Ah, superbe. Oh là, ah merci, ça c'est un beau cadeau. Tu sais quoi, je me ça c'est un beau cadeau. Bah, notre cadeau par rapport à ça est... Ouais. Non, on a toujours un petit cadeau pour. Alors là c'est la première fois qu'il est un peu encombrant. Oui. Tu rentres comment? Tu rentres en voiture. Oui oui. Bon ça. Bon, ça va. Après si tu veux l'emmener à Budapest, et moi je suis chaud parce que tu vas voir. Est-ce qu'on essaie de lui faire deviner? Non. Allez. Non. C'est comme tu veux. Genre, on n'a pas le temps. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, si, il est là. Alors, c'est un peu lourd. Alors, qu'est-ce que c'est? Moi, je voudrais très bien ce que c'est. Mais est-ce que je rentre dedans? C'est à partir de 3 ans. Quoi? Tu n'as pas regardé? Alors, peut-être ça peut faire des brassières déjà. Ah merde! Ah oui, à partir de 3 ans. À partir, bah t'as plus de mais 3 non, ans. Mais regarde, c'est des petites filles qui sont à l'intérieur. Oui, attends, on va le mettre là-dessus. Ah mince, regarde. Oh non, je serais trop déçu. Si tu peux... C'est des petites filles. Ah moi. Oh, je serais si déçu. Elles ont l'air tellement s'amuser. Ah, on s'est ruinés entre eux. Mais elles ont l'air de vivre leur meilleure vie. Mais oui. Je vais jamais accéder à ce bonheur, moi. Bah, alors j'espère que si, alors, j'adorerais. Bon, en tout cas, il y en a deux dedans. Et donc, c'est quand même un peu comme les combats de sumo. Mais version licorne. C'est génial. Du coup, c'est un jeu de bumper licorne. Voilà. Je suis sûr que tu rentres... Ouais, j'ai un doute en fait. Ouais, maintenant, je regarde. Au pire, ça fera des repos bien dans la piscine. Quoi. Elles ont l'air larges. Elles flottent. Oui, bon, oui. Je prie pour que tu rentres dedans. En tout cas, si t'as envie de l'essayer, pas là maintenant, hein, on n'a pas le temps. Et attends, il y a même un tapis de 2m7. Oui, c'est pour pas se faire mal. Même si... pelouse. Je pense... Putain, j'ai lu 27 mètres. C'est un tapis de 27 mètres. C'est un jeu de parisien, la fausse pelouse. Non, mais voilà. Mais je vais tester ça dans ma maison de campagne. N'hésite pas à tester ça. Exactement, c'est ce que je voulais dire. En plus, je voulais dire, on sait que t'as une maison de campagne. Et donc, du coup, ça, jouer ça sur de la vraie pelouse, ça peut être assez excellent. Fais attention à Ursula si tu joues avec elle, quand même pas la blesser. Ah ouais, en plus elle a une prothèse de hanche, la pauvre. Bonjour, c'est pas... Bonjour, je viendrai jouer avec toi si tu veux ça plutôt. Mais en plus je t'avais invité, pas toi oui. Parce que bah, oui. Non mais ça c'est bon. Oui, c'est non mais venez j'ai tous les deux, le venir, pack. J'ai trop envie de venir et si tu veux on viendra, j'inaugurerai chez toi en jouant à ce jeu et peut-être c'est moi qui retrouverai pas dedans donc à tout moment. Donc voilà, désolé. Il sinon pèse t'en mets tonne, un sur chaque truc. Jambe, mais bon, c'est vraiment pas pratique. Tom, j'aimerais un fond avec des licornes maintenant s'il te plaît. Là il a moins aimé, il a fait genre ok. Alors attendez, il nous reste 6 minutes, est-ce qu'on essaie pas quand même de se faire un fête nous marrer? Et à la fin on se fera les licornes si tu veux Tom, parce que sinon on n'aura pas le temps de jouer vu que Natou doit partir. On se fait un petit rapide fête nous marrer. Ah oui ça je vais le faire. Parce qu'on a 6 minutes. Attends, tu peux me dire c'est quoi le jeu final? Alors, si on va commencer sur... Ouais. Et il faut pas rigoler. C'est ça, exactement. Oui, non, mais le jeu final. Ah, c'est de la danse. Ah non, vas-y, il faut tout faire. Bah, mais on n'aura pas le temps. Allez, super. Ouais. La vie, c'est des choix. Et en plus, si jamais tu voulais faire la danse, le temps de configurer, tu seras parti, je pense. T'as vu le temps qu'on a mis pour mettre une manette? Ouais. Imagine pour danser. Mais écoute, on fera un 2. Tu pourras revenir. La vie n'a plus de saveur. On est parti pour toute l'année, pour peut-être plusieurs saisons. Mais donc oui. On attaquera par ça la prochaine fois, si tu veux revenir. Non, on attaquera par le combat de sumo. Natou peut dwerker dans une église SVP? Mais enfin. Mais je ne suis pas une fémène. Attention, on fait déjà parti. Bon, sinon, on commence sur toi pour voir ou sur moi pour montrer un peu le concept à Natou. Vas-y. On fait un petit plan serré, on balance la musique si tu l'as, Tom. Et puis dès que la musique démarre, t'as sur le chat, balance des trucs. Une licorne qui dab. Oh, pas mal. C'est pas mal. Bravo. C'est bon. C'est pas mal. C'est bon pour toi, Tom, tu crois? T'es prêt à peu près à balancer? Du coup, je fais des plans serrés. Vas-y, on peut commencer sur moi si tu veux. Et puis le chat. Quand vous voulez balancer, je vais regarder qu'à ce moment-là. Alors, c'est moi qui joue là. Oui, c'est ça, là il est tout seul. Okay. Ok. On peut te lire des choses qui nous font rire. Si vous voulez. Alors là, on a un petit dégât. Ok, c'est bon, c'est parti, joli. Ah ouais, ça se marre à côté. Bah, moi je suis très bon public. Vincent McDo. En vrai, je suis déjà un peu tombé sur Michel, artiste de rue avec un 2.
Ok. Bernard Junot, elle est terminée. Ok. De quoi? Non, Bernard Junot. Bernard Junot. C'était. Ouais, ok. Non, mais de toute façon, ça c'était. Ça va très vite. C'était. Très vite. C'était quoi, certains manques de profession? Artiste de rue. Ah, Michel Artiste, artiste de rue. Avec le 2, m'a fait marrer. Mais attendez, c'est un fond vert du vrai fond? Oui. C'est Hollywood ici. Écoute, c'est Hollywood. C'est James Cameron qui nous a fait ça. Pardon, je suis tombé vite, j'étais pas concentré. Tu nous en fais un plus propre, Valentin? D'accord, donc moi je l'ai. Oh bah c'est parti, okay. Le chat, vas-y Sam. Et vas-y, tu peux lire si tu veux. Ok, je t'en lis un petit peu. On a 100 bits dans le mois. Daphné Pneu. Bah oui, mais oui. Mais non, on connaît la Daphné Pneu. Mais oui, mais justement. C'était un classique. Bah c'est un classique. C'est un classico, voilà, Daphné Pneu. C'est... Ah, c'est un vrai truc. Bah non, mais. On l'avait déjà eu. En fait, on l'a déjà eu. J'avais déjà rigolé dessus. Là, je pensais ne pas rire et tu me l'as susurré dans l'oreille. Je me suis dit, Daphné Pneu, je connais. Daphné Pneu. Oh non, mince. Bon, et sinon, on le foutait. C'était un velouté. Voilà. On fait un atout vite fait toute seule et après on fait le velouté. Ah oui, moi je vais le faire. Je suis sûr que tu vas pouvoir tenir. Non, je tiens pas. Ok, vas-y, on essaye. Vous êtes prêts le chat? Let's go! Quand tu veux, Tom. Oh bah non. Poker face. Oh non, il y a des trucs dégueux. Giboulet. Alain Frangipane. Tu es un saucier, Harry. Johnny a l'idée d'allumer le feu. T'as boulé toujours, deux fois ça marche. Louis de fitness. Il me prend un pape. Tu penses à rire? Ah non, si. Bill du Big Deal. Bon, de toute façon, oui, c'est un peu perdu, mais. Attends. José Bourré. Miko Saliagas. Ce qui est bien, c'est que Natou, elle est fascinée, elle joue plus. Mais non, moi j'adore. Bah, en fait, je suis plutôt fasciné par le génie. Ah, mais ils sont très forts, ils sont très très forts. Riggy Claquette. Mais en fait, ce qui est plus marrant, c'est d'être au milieu et d'avoir des susurrements à l'oreille. Eh bah vas-y, faisons ça. Écoute. Bah on fait ça, vas-y, on commence avec toi. Genre la salle de sport. Oui, genre la salle de sport. Attends, Louis de fitness. Ah oui, moi je suis au milieu. Ok, vas-y. Eh vas-y, on attaque, on attaque. Let's go. Est-ce que je le regarde ou est-ce que je me laisse? Regarde la cam. Ok, et vous me l'aidez. Ouais. Ok. Adrien Armand s'est abonné avec un Twitch Prime. Merci à lui, ça fait plaisir. Dis-lui merci. Merci. Yannick Noix. Le Massif Central. Christine Bouquetin. Boule et billard. Je pensais pas t'avoir là-dessus, boule et billard. Si, mais et en plus j'étais encore dans le Massif Central. Ok, vas-y. Le Massif Central, pas facile. Ok, vas-y. En les chaises musicales, vas-y à moi. Je pense qu'il faut qu'il y ait pas de musique même. Hein. Tu veux pas de musique? Ah ouais, ok, un on tente sur musique. Tu ok, vas-y. Une ambiance nude. Pardon, vas-y. Donc je regarde la caméra comme ça, effectivement, ouais. Je suis sous la pression de vos susurrements. Et j'ai déjà peur. Très bon dans le chat. Hein. Ok, ah, ils sont forts. Hein. Je suis prêt. C'est bon? Ouais, vas-y. Ah bah, y a pas de musique. C'est parti. Hein. Julien Poppers. Patrick Poivre en Grain. Vous connaissez la technique de pince-nez là de... Ah pardon. Juju Le Perse. J'allais en... T'as raison, c'est plus dur sans musique en fait. Ça fait une tension. Ah ouais, parce que du coup tu peux chuchoter. Ah, le chuchoter, c'est très très dur. Ok, vas-y, à toi. Je veux vivre l'expérience. Ok, non mais d'accord, t'as raison, tu as renouvelé le concept, Natou. Ok, allez, c'est parti, on continue, on enchaîne le chat. Jean Neymar. Omar, 6 sauteuses. Quand je disais Neymar, c'est Neymar, le joueur de foot. Jean Neymar. Mimi Matrix. Larry Bambel. Michel Tablature. Pompier chauvagiste. Bon, tu l'as raté. Tu n'as pas respecté. Et ça passe, on va dire que ça passe. La compagnie très lol. Moufle. Une barque. Juste Drake. Ouais, je suis déçu. Laurence Formule 1. La région PACA. Les régions, ça marche bien. Les régions, c'est surprenant. C'est toujours surprenant. La région PACA. Très bien, ça me plaît. Magnifique. Est-ce qu'on s'en fait un à trois? Allez, oui. Et on lit tous. Et on s'en lit, on balance quand on veut. Voilà. Et on est parti. Par contre, ça fait bizarre sans musique, là. Il y a une tension. Ah non, mais j'adore. Marion okay. Cotillon. Allez, Jean-Géphine, range gradin, on l'avait déjà eu. Okay, là, on les lit à voix haute, c'est ça? Ouais, et on doit rester tout. Mais okay. Chacun, à limite, un chacun son tour, ok? D'accord. Jean-Géphine, range gradin, à toi, Natou. Daniel Fauteuil. On dirait qu'on joue à un motus. C'est genre. Ok. Attends, ouais. Bill du Big Deal. La Reine des Neiges.
Pistache de rousseur. Aquitain. Sandwich jambon beurre. Passepartouze. Jean Colissimo. Ah oui, bien sûr. Hublot. C'est à moi ? Ah, pardon. En fait, tu te fais avoir parce que... Oui. Ursula V12 bah. Je comprends pas. Enfin, du coup, je me marre, mais je comprends pas. Maître Jim. Oh, pardon, mais je vous ai grillé, mais Maître Jim. Ah, il est beau, celui-là. Je l'ai vu en live il y a pas longtemps. J'en beurre de fond. Je joue plus, moi. En fait, je me marre tout le temps. Mais c'est n'importe quoi, j'ai plus aucun... Ah, il est 22h01, Natou. Oh, ça va. Ah, ok, on s'amuse, ok, on s'amuse. Hermione Lagrange. Centimètre Gims. Pas mal. Didier Descend. Ok, celui-là est bien. Allez, on se concentre. On reboot. Il était bien, Didier Descend. Ouais. Il nous a tous eu. Allez, faisons un départ. Vous savez quoi ? On baisse la tête. Ouais. On fait un départ. 3, 2, 1. Climatiseur. Climatiseur. Ça va trop vite. Ça va trop vite. MC Soula. Pisse partout. Maître Gif. Oh merde, vous l'avez pas. Christophe Maël. God Elmaleh. Est-ce qu'on dit qu'on sort quand on se marre? Non, parce que du coup, là, c'est n'importe quoi. Du coup, on lit. Juste on lit les trucs. Juste on lit. Ça n'a plus aucun sens. Allez, on dit qu'on sort. On recommence. Allez, on se fait un décompte et on sort quand on se marre. On sort quand on se marre. Mais on est éliminé. Fait, là, moi, je suis juste admiratif. Mais moi aussi, je suis admiratif. Allez, on dit qu'on sort. 3, 2, 1. C'est parti, finale. C'est la finale. Flappy Bird. Oh putain, il est dur celui-là. David Carambeu. Christian Carambeu, pardon. Roger. Jardinier de père en fils. Nelson Monfard. Poivre. Oh merde, oh non, on perd là-dessus vraiment. Sur poivre. Non, c'est bien. Non, mais je pense que si. Voilà. Bon, tu gagnes, écoute, Valentin. Magnifique. Eh ben, merci, oui. Vous avez été très très fort. Magnifique. Véronique sans bruit. Ah, mais attends, mais c'est. J'aurais pu rire là-dessus. Flaubert. C'est un vieil iPhone, ça, c'est quoi? C'est un vieux modèle, non? Ah, excuse-moi de pas mettre 1300 euros dans un téléphone! Excuse-moi! Oui, bah, je l'ai acheté aux États-Unis, c'était un peu moins cher. Eh bah, bon, petite astuce que je vous donne. Excusez-nous! Parce que c'est pas cher d'aller aux États-Unis. Ok, j'annule tout ce que j'ai dit. Attendez, je crois qu'on a raté des abonnements, j'en profite rapidement. Ah, c'est Arenera qui nous offre encore 10 bits, merci beaucoup. 100 bits! 100 bits! Adrien Herman, je crois qu'on a oublié il y a 5 minutes, merci beaucoup pour ton pram. Bah, je vais me coucher. On a encore Arenera qui, un bits par un bits, mine de rien, nous régale. Et en moi qui avait remis 100 bits tout à l'heure, il y a 7 minutes, je crois qu'on a oublié de le remercier aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, voilà, c'était une version un peu compacte du Faites-nous marrer, mais je pense que quand même, déjà, le côté susurré était une nouveauté qui était intéressante. Je pense que du coup, malheureusement, pour la dernière partie, on va devoir le faire sans toi, sauf si tu veux rester. Nous, évidemment, on ne te retient pas, c'est à toi de décider. Mais si tu veux et si tu dois partir, parce que tu n'as pas fait ta valise, tu m'as dit. Oui, j'ai pas fait ma valise. Donc c'est pas très responsable. Ma mère m'attend. Ouais, bon, donc tu as tout fait, tu as fait le droit. Tu sais que personne ne t'en veut. J'aurais dû partir aujourd'hui, mais j'ai fait allez, je reste. Parce qu'il y a le Twitch. Oh non, trop gentil. Elle a pas trouvé le nom de l'émission, t'as vu. Elle a fait le Twitch. Il y a le truc là avec Valentin et avec Julien et l'autre. Tu sais, on regarde des vieux films nuls. J'espère qu'ils vont pas me faire improviser. Oh, hey, vraiment, c'était culte, Natou, mais si. Franchement, pardon, mais j'ai adoré ce moment. Mais en plus, je voulais faire la chaussette méchante et vous avez pas suivi. Ah bon, mince. Tu vois, t'avais des envies. J'avais dit, je possède ta vie. Ma vie est entre mes pieds. Moi, j'ai cru que c'était l'autre chaussette. Comme t'as dit, c'est la chaussette restante. Mais vous n'écoutez rien. Aïe. Ouais, mais moi, j'étais dans une ambiance Noël aussi, c'est pour ça. Tu vois, on était bisounours. Bah écoute, on fera le 2 quand tu reviendras. Bon, allez. En plus, je sais que t'aimes bien Dobby. Oh là, j'adore. Je voulais te dire, mais je te l'ai déjà dit. Mais non, mais les stories que tu fais avec le visage de Dobby, avec Lola là et tout, c'est genre. Mais parce que mon chien ressemble un peu à Dobby. Mais c'est fascinant. J'adore. Bref, voilà, je sais pas pourquoi on parle de ça, mais ça me fait mourir de rire. Parce qu'on parlait de chaussettes. Ouais. Non. Dobby, la chaussette. Oui, je vais vraiment pas préciser ce qui s'est passé dans mon cerveau. Faut suivre un petit peu. En fait, tu penses à voix haute. Oui, comme les vieux. Bon, merci beaucoup Natou en tout cas, merci. C'était trop bien, mais on était trop ravis de. Bah, tu veux rester? En fait, on me chasse. Ah, mais non, mais si non, tu veux super. Rester. En fait. Voilà, vous voyez comment on est traité. Est-ce que tu veux bah, on déjà, est chassé. Moi, vraiment, attends, tu sais je voulais rester. Non, attends, on va faire comme à la fin non, de. Non, mais il y a pas un petit truc vite fait. Non, mais attends. Il y a une table à signer. Ouais.
C'est pas ouf comme ça. Attends, je veux faire un truc. Tu sais, c'est quoi? C'est dans super jeu. Ouais. C'est dans Question pour un champion. C'est à la fin, ils disent je reste ou pas. Tom, tu peux nous mettre la musique d'Antoine Daniel qu'on avait tout à l'heure, et à la fin de la musique, tu donnes ta réponse. Est-ce que tu restes ou pas? Tu vois ce truc ou pas? Je vois. Ok. Donc voilà, Natou qui était avec nous pour cette émission d'Askip, grande vainqueur de la brosique. inauguratrice de la nouvelle version du Faites nous marrer. Tout à fait. Tentative nouvelle runneuse sur combien, plus de 4 bornes je pense à peu près sur l'autoroute à pied, qui nous a régalé de par sa présence. Merci encore Natou d'être venu avec nous. Maintenant il nous restait une séquence dans cette émission. Natou, c'est à vous de nous dire si vous restez. Alors, si tu restes pas, j'adore. Je vais aller faire mon petit sac. J'ai ma maman qui m'attend. Ouais. Donc tu restes un peu, genre 2 minutes. Mais non, je voulais faire un petit jeu parce que je sais que l'autre il est loin installé. Bah ouais, tout. C'est pour ça. Mais y a pas non, un petit on a jeu pas d'autres solutions. Un petit jeu rapide pour. Non, malheureusement. De friandises. Non, à moins que tu veuilles faire un Flappy Sport, mais tu vas regretter. Ah ouais. Ah ouais. Non, qu'est-ce que bref. Non, ouais, je suis désolé. On peut te faire signer la table parce que rien, tu vois. Non, ça c'est ce qu'on. Faire ça, elle est déçue. On l'a déçue. Ah, l'invité. On a déçu l'invité. On a une bombe. Attends, en vrai, on a plein de trucs derrière. Attends, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on a ce plan sur la tête? Qu'est-ce qu'on. On a des perruques. Tu veux. Les amis dans le chat. Flappy Sport, le dwerk, on peut dwerker. Ah effectivement. Oui, il marche pas. Il faut faire un dwerk. Ah, c'est frustrant. Ah, c'est horrible. Mais c'est horrible. La pire chose. On l'a acheté comme ça. On c'est l'a acheté cassé. La et frustration. Bah, on n'a jamais autant pleuré, je crois. Ah, oui. Faut l'emmener chez le réparateur. Eh ouais, non, mais on c'est... l'a réparé. Non, mais oui, chacun peut faire un dwerk. On peut faire un dwerk. Une démo. Bah, tu nous montres. Parce que nous, on n'a jamais dwerké. On n'a jamais dwerké. Est-ce qu'on va bien voir par contre? Parce que. J'enlève ma chaise parce que je suis chassé. Tu dwerkes sur quelle musique? Est-ce qu'on peut voir à cet endroit-là le dwerk ou pas? Attends, non, sinon on va prendre. Oh bah si, ça marche bien. Ah, tu peux mettre. Ça s'appelle Dora, twerk du dos. Allez. Okay. Sur quoi? Sur YouTube? Oui, c'est sur le tube. Sur YouTube. Okay. Sur Uber. Attends, mais moi faut que je regarde parce que j'ai jamais essayé de dwerker. Non, mais après vous le faites. Ah oui, non, non, mais c'est très simple, ça consiste à se péter le dos. Attends, tu sais que moi en plus, parce que je fais des micro-workouts, ça se voit pas du tout sur mon corps, mais des fois je fais des workouts. Et il y a un truc qui. Le cacao, ça s'appelle. Cacao, et c'est ça au sol, c'est un peu pareil. C'est comme ça. Ouais, ouais, voilà. Donc on vient creuser et. Okay. Attends, je suis bien de profil. Regardez bien. Et voilà comment se détruire le dos. La pression. En très peu de temps. Tu vas avoir des procès de tes fans dans quelques années. J'hésitais ouais, à sortir un clip là-dessus, mais bon. Alors attends. Merde, quoi. Danser le comme dwerk, ça. Regardez-moi. Tu creuses comme ça. Et t'expulses. Bah, j'ai rien. J'arrive déjà pas à creuser. Attends. Ah, c'est horrible quand mais tu creuses. Oh. Ah oui, oui. C'est plus là que ça se passe. Ouais, alors là, je creuse. Oui. T'es au max. Ah bah là, je suis au max. Ah, vas-y. Hop là. Et vas-y, expulse. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Moque-toi, Julien, moque-toi. Ah non, mais je fais pas. Putain, bien. Ça nique le dos. À toi. C'est hyper. J'essaie de voler. Ok. À toi. Magnifique chandail de loup, hein, au passage. Regardez-moi, c'est Dora 1. Alors, genre, oui, on bend. Oui. Oh, et pas mal. Je suis un peu déçu de ma performance. Et tu peux faire le dos plus rond encore. Ah, mais ça fait super. Mais en fait, quand tu fais le dos rond, il faut vraiment abuser. Ah. Ouais, ouais. Oh! T'as pas besoin de baisser la tête. Ah. Laisse la tête en l'air. Oui. Ah oui, et maintenant plus rapide. Mais ça oh, c'est assez déceptif. Je avec toi, c'est assez déceptif. Enfin, oui, oui. C'est vrai que ça fait mal au dos. Oui. Regardez bien mon top. Ah, j'arrive pas du tout. Attends. On est content d'être venu sur Twitch, les amis, ou pas? Ça arrive à rien. Parce que c'est merci pour ce live. Du contenu qualitatif. Mais c'est balèze. Wow. Mais ça travaille des muscles de dont je ne connaissais pas l'existence. Ils sont là. Je les connaissais pas. Je les connais pas, ces muscles. Et merci beaucoup. I'm a single lady. I'm a single lady. Mais pourquoi je pense à une autruche? C'est vrai qu'il y a un petit côté autruche. Magnifique. Merci beaucoup, Natou. Bah, je suis très ravi. Je suis ravi de finir là-dessus. Voilà, je suis ravi de terminer là-dessus. Tu n'as même plus de chaise pour. Non. tu vas. Oui, par contre. Ah oui. Tout même. Signe donc cette table. Avec la GoPro.
Oui. Tout à fait. Oh là, magnifique, fais-moi ça. Oh là, les gens vomissent, ça y est, les gens vomissent. Attends, je... Pourquoi... Bah, merci beaucoup, Natou, c'était trop bien. Attends, mais on est zoomé sur cette webcam. Ah. Ah oui, d'accord. Sinon, on recule. Ça va. Merci pour votre work. Oh là là, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Ah. C'était très sympa. Merci à ce qui... Oui, on a plein de gens qui sont passés ici, moi, c'est l'objectif, en fait, avec cette table. Oui, on a gain, on a plein de gens. Bah, ça, c'est tous les gens qui sont passés dans la skip, tu vois. Maintenant, tu en fais partie, merci beaucoup. Et voilà. on espère qu'un jour, on pourra mettre aux enchères cette table pour reverser tout à une association. Bah, ça pourrait être sympa. Voilà, c'est l'objectif. Et mine de rien, la table commence à se remplir, donc ça pourrait arriver plus vite que prévu. Ça se trouve peut-être même avant la fin de la saison 2. Ah, il y a Pierre Cross. Donc voilà. Oui, il y a Pierre Cross qui était le tout premier invité, juste après Justine qui était là pour le pilote. Oh là là. Ouais, voilà. Tu ne veux pas partir, Natou, là. Non, bon, vas-y, je vais y aller, je vais rejoindre ma maman. Non, merci beaucoup. Tu t'es toi-même enlevé ta chaise en plus. Ah, tu sais quoi, attends, on va. On sait pas la peine, on fera la prochaine fois le jeu, on va raccrocher aussi, nous, non? Raccrocher, je suis un vieux. La vache, raccrocher, on raccroche. Je te dis d'ailleurs, formidable, c'est formidable. En parlant, je sais quoi. Non, c'est formidable. Non, il y aura d'autres fois. On va s'arrêter là-dessus, comme ça, on dit au revoir correctement à Natou et on s'arrête là-dessus. Franchement, c'était trop bien, il s'est passé plein de choses. Merci beaucoup, Natou. Merci d'être venu. Est-ce que je m'en vais comme une merde ou il y a un générique? C'est vrai qu'il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Ok, mais je vais partir de manière nulle. Non, en fait, c'est vrai que du coup, t'as enlevé la chaise. Du coup, mais là, oui. C'est, bon, t'es toi-même. Salut, les gars. C'était trop cool. Ah, en dehors quand? Oh. Et je vais vous héberger. On va se quitter et je vais vous héberger. Je vais renvoyer vers quelqu'un. Qui on va aller voir? On va aller. Bah. Pardon, on l'a souvent hébergé, mais il y a Little Big Whale, on la reçoit la semaine prochaine. Est-ce que c'est quand même pas. Ça paraît logique. Ah non, il y a Pierre Lapin, on va lui passer un petit bisou quand même. Allez, Pierre Lapin. On vous envoie vers Pierre Lapin, les amis, merci beaucoup. Merci Passez à tous. Une bonne soirée, on se retrouve la semaine prochaine, merci du coup. Tout à fait. Oui, tu n'es pas merci assez près. Pour vos messages. Tu n'es pas assez près de la caméra, Natou, si tu voulais faire un effet. C'est juste ton son. Ah d'accord. Et on vous envoie vers Pierre Lapin, la semaine prochaine, on se retrouve avec Trivia. Merci pour vos petits messages. Little Big Whale. Natou, tu reviens quand tu veux, t'étais trop drôle, c'était trop bien. Merci beaucoup. Allez, salut, à bientôt. Salut.